Bon les gars, il va falloir qu'on se chauffe hein, parce que cauchemar ça, ça va pas être fascinant. C'est parfait mec, hein. Là on est pile à l'heure en plus pour le jeu d'horreur. Pile à l'heure, 23h, c'est l'heure. C'est l'heure de... Oh nice. Oh nice, 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 nice Kamel. Oh, apparemment, il n'y a pas de lampe. Attends, mais attends. En cauchemar, apparemment, il n'y a pas de lampe IV. Donc là, il y a un problème. Non. Si. Mais ça veut dire, on peut pas et le faire. Du coup, en fait, tu sais, il y a des petits monstres. Je sais pas comment on s'en débarrasse. Bon courage. Bon, les gars. Même le gros, du coup. Mettez prêt. Et je lance. Let's go. À nous, les gars. À nous de jouer. Welcome to Mercy, California. Abandoned mining town and birthplace of demonic cult, the Watchers of Azazel. On May 4th, 1852, in a local gold mine, James McKay uncovered a number of strange ancient words and symbols. They seem to form the basis of a powerful ritual. James soon began to gather followers as he convinced the townspeople that performing the ritual would bring great prosperity to Mercy. To his horror, it summoned the demon Azazel instead. 154 years later, Sam McCowell has made a pilgrimage to the cursed birthplace of the cult, attempting to harness the power of the ritual for himself. You must stop him before it's too late. On est mort, mort. Est-ce que tout le monde est prêt? Oh, je vois rien. Appuyez sur F. Allô, comment on fait, les gars? Alors, les gars, il faut qu'on trouve l'objectif là, genre ce qu'il faut prendre, tu vois. Toi, c'est mon gun. Dégage. Là, tu vois, regarde, là, il y a. Ok, on peut prendre. Ça fait rage pas, les gars. On peut prendre des boîtes d'allumettes. Non mais c'est rien ça. On peut prendre des boîtes d'allumettes. On peut pas prendre des armes. Pour moi c'est rien. Non. Malheureusement on est bête. Là regardez les gars, ça papier, c'est des... Y a un papier là. Attends, il faut une clé pour ouvrir le coffret du magasin d'armes les mecs, si jamais. Si vous trouvez une clé c'est là. Ça tremble, okay, ça tremble. Ici y a une note si vous voulez lire. Marie, on est mort. Quelque chose de terrible là, est arrivé. Là tu vois, Kamel, viens voir. Tu vois quand le monstre il te poursuit, tu peux te cacher là-dedans, ok? Vas-y cache-toi, cachez-vous. Faisons un test, je suis le monstre, je vous poursuis. Ah là, je vais vous tuer les petits zouaves. Ok, parfait. Y'a une mallette là, il faut une clé, ok, c'est bon, j'ai compris. Bah venez, on va chercher la clé, les gars. T'es en train de lire un truc aussi, Kamel. Ouais, là, y'avait une note. Vas-y, je te laisse lire, vas-y. Non, mais je. Vas-y, Kamel, lis. Vas-y, lis. On t'écoute. Je fais plus. Non mais appuie sur E pour la mettre en grand. Ah oui, merde, je suis con, désolé. beaucoup de mon groupe. Ceux qui m'ont aidé à lire le rituel ont agi étrangement au cours des deux derniers jours. Et puis, la nuit dernière, Joseph a étranglé un homme à mort. Je ne l'ai jamais connu violent et je ne peux pas croire que la cause était autre chose que la folie. Néanmoins, je suis très inquiet. Je fais appel au calme, James. Merci. Qui dit ça à James. Merci pour la pour l'interprétation. Donc, il y a un mec qui se fait posséder, quoi. En gros. Il y a un mec, ouais, il fait des trucs bizarres. Ok, faut trouver la clé de la mallette. Ouais, ici, il faut lire. Ah, c'est moi le lecteur, ok. Ouais. Mais comment on fait qu'on va y avoir les monstres, Locke, si on peut pas les... Marie. Consignant les découvertes de la mine, John a rempli pas moins de 10 petits livres. Chaque soir, ces derniers jours, je les ai parcourus. Je crois qu'il y a des motifs en eux. Certains mots et symboles apparaissent ensemble encore et encore. Depuis la découverte, les hommes ont constamment trouvé de l'or. Ce n'est sûrement pas un hasard. Ton époux bien-aimé, James. Les gars, il faut trouver des livres. Ouais, mais c'est pas ici, c'est le magasin de vêtements ici. Aussi, ouais. Ici aussi, il y a une valise où il faut une clé, les gars. Eh, hey, il y a vraiment pas de lampe UV, les gars. Il y a pas de lampe UV, mec, on va galérer, quoi. Là, il y a l'église. Ouais. Elle s'allume. On peut courir illimité. Ouais. Il y a des allumettes, là, encore. Il y a re des allumettes, là. Je sais pas à quoi ça sert, mais... Vas-y, je rentre dans l'église. Moi, j'ai pris 3 allumettes. Il faut une clé de l'église, les gars, faut qu'on trouve l'endroit où il y a toutes les clés en fait. Bah après, venez là, je pense, il doit y avoir un truc, non? Je pense. Les gars, un bidon d'essence avec les allumettes, ça doit marcher. Ah, bien joué, c'est peut-être ça qu'il faut faire. Bien joué. Putain, il y a les collisions, les gars, on se bloque, c'est terrible. Ouais.
C'est quoi ça? Ramasse l'essence, ramasse l'essence. Que tu voulais, les gars. Ok, vous pouvez venir, Ok. Il y a encore de l'essence. Là, il y a une mallette. Il y a une note, là, il y a une note. Il nous faut des clés, Il nous faut des clés, bordel de merde. Les gars, j'ai trouvé un truc, venez voir les mecs. Allô les gars. Ouais. J'ai trouvé un truc à l'étage, il y a un pentagramme, venez voir. Ah oui, super, un pentagramme. Tu sais ça, regardez ça là. On peut allumer, tu vois, mais faut qu'il soit prêt. Et il y en a un autre là qui est dans la prison. Il y en a un là dans la prison. Tu peux allumer ? Ouais, les bougies elles s'allument, mais ça me dit qu'il est pas prêt à être utilisé pour le rituel. Non, il faut qu'on mette un truc au milieu avant d'allumer les bougies. Ouais, c'est ça, c'est ça, mais tranquille, step by step. Sois pas bête un peu toi. Toi t'es bête. Sois pas bête. T'en vois que dalle. Quand tu te feras croquer le cul, je te jure, je te réa pas, frérot. J'ai entendu quelque chose. Il faut trouver la clé là. Mais les gars, il est où Kamel? Oh merde. Va chercher Kamel. Non. Aïe. Ah les gars, c'est la mine. Faut pas une dynamite là. Les gars, il est où Kamel? Allume la dynamite. On a où les clés? Très chère Marie, j'ai trouvé quelque chose, mais c'était pas de l'or, je suis pas entièrement déçu. Sur une paroi rocheuse d'une certaine profondeur dans la mine, on a découvert des centaines d'étranges marquages, mots et symboles. Ils veulent dire quoi? J'ai demandé à mon frère John de tout enregistrer, parce que comme tu sais, il est meilleur que moi en écriture et en dessin. Les jours s'allongent et il fait très chaud maintenant. Un homme a parfois l'impression d'étouffer. Embrasse la petite Bonnie pour moi, ton époux bien aimé James. Attends, Squeezie, regarde. Là, il y a un truc de rituel, d'accord? Ouais, il y en a encore, mais c'est bien, mais maintenant faut trouver ce qui va dedans, ouais. Il faut qu'on soit strat sur le truc de rituel, tu sais? Ouais. Mais il faut trouver les clés qui ouvrent les valises, là. On a toujours rien trouvé, c'est pas normal. Je ne sais pas où sont mes copains, mais je progresse sans eux. La map, elle est grande, putain. Qui joue du piano? C'est Kamel? C'est bon. Ok. Toujours rien. Ah, allô? C'était quoi ça? Les gars? Les gars? Locke? Locke, c'est toi? Locke? Kamel? Locke? Chitos? Louis, c'est toi? Hey, dans la pièce. Kamel! Hey les gars! Les gars! Putain, je suis bien seul. Les mecs! Ok, attends, je prépare ma fuite. Je peux passer par-dessus? Non, je peux pas. Les gars, j'ai trouvé un truc, venez! J'ai trouvé un truc! La vie de ma mère, c'est pas ma couvre cette porte. La vie de ma mère, c'est pas ma couvre cette porte. Je vous jure que c'est pas ma couvre cette porte. Jamais je l'ouvre. Je sais pas qui est dedans. Je sais pas si c'est un gag, mais regardez, on va se rater. Hey, les gars, j'ai trouvé un truc! Allô? Y'a quelqu'un? Les mecs, vous êtes où? Allô? S'il vous plaît, où êtes-vous? Allô? Allô? Les gars? Kamel, Chuitos, Locklear,
Il y a encore un pentagramme, là. Il y en a partout en fait. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle, mais il y a de ces trucs partout. Donc en fait, il faut juste qu'on trouve les clés de ces trucs. Mais je sais pas pourquoi on a des difficultés à les trouver. Elle doit être planquée. Là aussi, il y en a encore une. Donc faut mémoriser quelle maison et quel truc. Faut qu'on apprenne la map. Donc là, on sait qu'on est dans le magasin général. Tout à l'heure, il y avait le magasin de vêtements. Tout au bout, il y a le. Il y a de l'or là. À moi ça. Celle-là, on l'a jamais ouverte. Non, elle est pas ouverte. Les gars, allô. Oh, Locke. Oh, vous êtes là. Non, c'est pas, les gars, j'ai trouvé un truc. Ah, Kamel, venez, j'ai trouvé un truc. Venez. Ok, ok. Venez. Je vais vous montrer un truc. À l'étage, là, à l'étage, dans la chambre, il y a une lettre. Attends, qui dit un truc. Attends, c'est à l'étage. Attends, vas-y. Monte, vas-y, monte, je te suis. Vas-y, moi je te suis, frérot. Je te suis, monte. Non, pour de vrai, vas-y, je peux pas te doubler en fait, il y a des collisions, je peux pas te doubler. Là, dans la pièce là, tout droit à gauche, la pièce là. Là-dedans, il y a une valise chelou. Ouvre la porte. La porte de la pièce là. Là, là. Go! Je sais pas. Viens, on l'attend là. Mais tu étais allé toi? Non. Mais y'avait des bruits de pas. Mais Hugo, il est mort, Kamel. Il est mort? Kamel? Oh wow, ça chie, j'ai vraiment une peur. Y'a rien, les gars. Ok, bah normalement y'a des bruits de pas en fait qui viennent de là. T'es sûr? Genre y'a rien. Y'a vraiment rien, non, mec. Rien. Ah, y'a une clé. Wow, ouais, ça sort. J'ai pris une clé. J'ai la clé de l'église. C'est la clé de l'église. Vas-y, go à l'église. Go à l'église. Go l'église. Mais il fait pas peur le jeu hein. Mais non, on est bien. Go à l'église. Elle est où l'église? À gauche. Vas-y, je te suis. T'inquiète, on connaît par cœur maintenant. Et dans la clé de l'église, doit y avoir la clé du shérif qui va ouvrir toutes les mallettes. J'ai tout compris les gars. C'est sûr que c'est ça. Mais non, parce que c'est... On va pas par l'entrée principale, parce qu'ils vont s'y attendre. On rentre par ici. Quand tu dis il, tu parles de qui exactement? De qui? Ah, c'est de Locke, c'est Locke. Ah, c'est Locke, putain. Trop marrant. Oh, y'a un loup, y'a un loup, y'a un loup. Qui est mort? Vous êtes où? Qui s'est barré en courant là-bas? C'est carré. Il s'est enfui. Il s'est enfui, cet enfoiré. Bah les gars, je pense que... No joke, il y a un monstre. No joke, il y a un monstre. No joke, il y a un monstre. Où? Les gars, il y a un monstre. La porte à gauche. Squeezie, la porte à gauche, maintenant, la porte à gauche. J'y vais. C'est bon, elle est ouverte, tais-toi. Il me suit. Mais fermez derrière vous, bande d'idiots, putain. Mais pourquoi tu fermes? C'est un fantôme. Putain, y'a que moi qui peux. Si, maintenant que j'ai ouvert, tu peux l'ouvrir. Mec, on est safe là-haut. Les gars, on a trouvé quoi dans l'église là? Quel est notre objectif, bordel? Mais on a trouvé quoi dans l'église? Faut qu'on rentre dans l'église, je sais pas moi. Y'avait un truc à prendre dans l'église, je pense. C'est sûr. Mais. Ah oui, il a pris le magasin de vêtements! Magasin de vêtements! C'est quoi ce bruit? Oh! Il sort du sol! Arrêtez d'appuyer sur eux! Attends, il a fait quoi? La clé des écuries, la clé de magasin de vêtements. Ok. Faut trouver Locke. Mais il a pris toutes les clés. Locke, comment tu trouves toutes les clés? T'es trop chaud, mec. Je bosse. Putain, mais t'es monstrueux, mec. Je t'aime.
Aide-moi, aide-moi, sois pas bête. Comment je fais pour t'aider? Bah reste avec moi et meurs pour moi. Mais t'es fou. Mais t'es pas mort toi? Mais comment il trouve toutes les clés? Comment? Il a déjà fait un plan de la map. La comment map, t'as fait? Non, mais en fait, vous avez fait pop les clés, les gars. Ah, ok. Ah. Ok, quand on déclenche attends, le monstre. Tu sais les clés que tu prends toi? Non. Ah ouais, donc. Si, je crois que si, tu confonds avec un autre jeu-lock. Je crois qu'on non, peut dans le débat. Tu peux pas. Ah ouais? Ok, faut ouvrir les mallettes. Ouvre les mallettes. La banque, c'est ça, c'est là où il y a un sous-sol, la banque. Arrête de prendre toutes les clés, frérot, ça va nous niquer du coup, on c'est va être baisé. C'est moi. Oh là là. Vas-y, à l'étage, mallette. Il y a une mallette. Alors, les gars, en gros, je vous explique. Ce qu'on va trouver dans les mallettes, c'est ce qu'on va pouvoir brûler. Ok? Là, vas-y, ouvre. Je peux pas, ouvre. J'ai pas la clé du saloon. T'as pas la clé du saloon? Imbécile, à quoi tu sers, putain? Ne sois pas bête. Ok? Et du coup, après, le problème, c'est qu'on va être obligé de les brûler une par une, hein, je crois. Bah ouais, le fantôme il traverse les murs, mec. Hein. Regarde, il suit Kamel. Oh, les gars, le fantôme arrive, la vie de ma mère, ferme la porte. Ouvre la porte, dégage ici, y'a rien à faire ici. Y'a rien à faire ici, ouvre la porte. Sois pas bête. Y'a pas de fantôme. Ah, mais si, le fantôme il vole, il arrive, C'est qui là? Y'a un mec. C'est qui ça? Kamel. Kamel. Ils sont morts, frérot. Ils se tapent un cowboy et un fantôme, ils sont morts. Okay, attends, je crois que chaque clé que t'as pris a libéré un monstre, mec. Tu commences à me. J'ai une caisse là, vas-y. C'est quoi? Ramasse ça. Ramasse. C'est quoi? Je l'ai. J'ai un icône. Crame-le. Vas-y. Fous-le par terre là. Je peux pas. Faut allumer les bougies. Allume les bougies avec mes allumettes. Non. Parce que je peux pas. La bougie plus essence, frérot. Y'a un chapeau. Ah, mec, on est mort. En fait, c'est explique. Attends, y'a un chapeau sur le logo. Donc je dois aller au truc du shérif. Y'a un chapeau. T'as sur le livre. Ouais. C'est où le truc du shérif? Oh non. Mec, ça veut dire qu'en gros, attends, avant de brûler un livre, il faut qu'on prenne de l'essence et des allumettes et qu'on les mette sur tous les hôtels. Ouais. Ok? Et comme ça, on crame tout d'un coup, tu comprends ce que je veux dire? Ah ouais, t'es monstrueux, je t'aime, t'es monstrueux. Ok? Vas-y, commence la gestion là, Je pense que le livre. Mais les monstres, ils vont déplacer les livres normalement, tu te souviens, ça marchait pas ça? Ah oui, putain. Et ouais, mec, et ouais, le livre, tu peux pas poser à côté. Par contre, tu peux poser l'essence et les allumettes, t'as raison. Les gars, avec la touche G, vous lâchez ce que vous avez. Et pourquoi vous ramenez? Écoutez-moi! Avec la touche G, vous lâchez votre objet. Le but, c'est de cramer les trucs qu'on trouve dans les mallettes. D'accord? Donc, l'objectif, c'est de lâcher. Regarde. Regardez, les gars. L'objectif, c'est d'ouvrir les mallettes. Dans les mallettes, il y a des livres comme celui-ci. Sur un livre, il y a un logo. Le logo te donne l'indice de sur quel pentagone le livre va. Quand t'arrives au pentagone, tu mets l'essence, le feu, il brûle. Merci, le monstre devient plus fort. Il faut faire ça avec tous les pentagones. C'est bon? Et tous les livres. Mais avant de brûler quoi que ce soit, on pose le carburant et les allumettes et les livres sur chaque truc à brûler, ok? Et après on commence à tout brûler d'un coup, ok? Ok. Ah, comme ça le monstre il devient pas plus fort, on peut voilà. En fait, le temps qu'il se renforce, on aura déjà cramé 4. Mais le blâme c'est que les livres tu peux pas les poser parce que les monstres ils les bougent, ils les récupèrent et ils les font. Non, on ne sait pas. Attends, comment tu sais quel symbole va où? Il est trop incroyable ton perso. Merci mon frérot. Bon, vas-y, on sait pas si. Comment t'allumes les bougies? Il te faut de l'essence pour allumer les bougies? Non, pour brûler le livre, il faut de l'essence. Les gars, pas besoin de crier, c'est simple. On prend de l'essence, le livre, les allumettes, on a plus G. Est-ce qu'on peut en faire un pour test? Juste un, les gars. Où elles sont les allumettes? Non, cauchemar, on peut pas test. Tu Ils sont les autres livres? Je sais pas. Dans les caisses, je suis en train de les ouvrir. Viens avec moi, T'es bête. Vas-y, chacun, on fait un. Et on a déjà fait ce lieu-là, Locke. Arrêtez de fermer les portes. Tu es bête. Ça n'est pas bête. Le mob là, il est tout lent, il peut jamais nous tuer. Hein. Ok. Mais il va aller plus vite. Ici, les gars, c'est le truc du shérif, je crois. Je crois que c'est le truc du shérif. C'est le truc du shérif, 100%, mec. Il y a des cellules et tout. C'est forcément le truc du shérif. Bête. C'est le truc du shérif, c'est obligé. Lui il a pris le truc du magasin d'armes. Le magasin d'armes, je sais plus où il est, mais je vois, ok. Là, faut que je me tue à la map en fait. Là, il y a deux pentagones, mec. Mais faut forcément qu'on trouve des bougies, non? Et des fois, il n'y a pas de. Ça, c'est la salle de stockage, ok. Hey! Vous en avez pas marre de sucer le cul là, sans déconner? Vous voulez pas vous séparer un peu? Bah ouais, mais moi je veux. Non, parce que non, je vais leur donner des livres. Carburant ici. Attends, j'ai pas la clé de la banque. Là, j'ai clé de ça.
J'ai la clé là. Faudrait mémoriser quel bâtiment est quoi, les gars. Parce qu'après, le livre faudra l'amener dans le bon bâtiment. Oh! Ah, c'est un bonus ça, ok. On s'en fout. Tu vois, ici, il y a un pentagramme. En fait, il y a un pentagramme par lieu ou plusieurs. Les gars, la mallette, elle est là! Locklear! La mallette, elle est là, elle est à l'étage. Il est parti où, cet idiot? Putain, il est horrible. En fait, il est chiant, comme il a pris toutes les clés, bah on peut rien faire en fait. On est baisé. Il est vraiment relou, c'est ouf. T'as fouillé toutes les clés ? Ouais, ouais, mais on peut rien faire, mec. C'est que lui qui a accès à toute la map là. Ah, j'ai la clé du coffret du magasin général, vas-y. Vas-y, c'est où ? Je sais pas, viens voir. Je pense que c'est le truc avec la double porte là. Il avait pas ça. C'est pas ça, regarde. Il y a marqué, il y a un truc de dollar. C'est pas ça ? Viens, c'est là à gauche, quoi. C'est ici. C'est ça. Saloon. Ah non, c'est Saloon ça. Saloon, ça c'est le shérif. Fringue, arme. Non, c'est pas là. C'est de l'autre côté. Ah regarde, par contre ça, c'est le mon livre, il va là, mec. Je vais le mettre là maintenant. Mon livre, il va là-dedans. Ah, c'est là qu'on a les symboles des livres. Ouais, okay, c'est ça les symboles, mec. Regarde, je le mets dedans direct. Attends, je mets mon essence ici. Hop là. Hop. Il manque des allumettes pour ici. Ouais. Vas-y, viens, on fait notre vie, On fait deux binômes, ça marche bien, il y a peut-être des allumettes ici. Ah non, si c'est pas fait. Mais il y en a deux ici, non? Il faut coffrer du magasin d'armes, on l'a pas. Il nous faudrait des allumettes. Ouais, c'est ça, ça c'est le saloon. Ouais, c'est les logos des livres, c'est ça là, c'est ce qu'il y a là. Toi, c'était quoi que t'as eu? Moi, c'était un chapeau. Ouais. Y'a pas d'allumettes, frérot, qu'est-ce qu'on a fait des allumettes là? Non mais on va réussir, on va s'en sortir. Y'a pas des allumettes, c'est bon, j'ai des allumettes, frérot. Ah ouais, mais elles sont déjà actées un truc, donc faut que j'ai... Ah non, y'en a deux. C'était quoi la clé que t'as eu, toi? C'était la clé du magasin général. Ah ok, attends. Putain, tu m'as fait peur en vrai. Excuse-moi, j'étais possédé. Vas-y, viens, on va trouver ton magasin. J'ai des allumettes pour l'autre truc, mec. Je peux aller les mettre? Ça, c'est quoi? Je sais pas ce que c'est, ça. Ah, c'est le shérif, ça. Ça, c'est le storage. Ça, c'est... hôtel. Banque. C'est là, c'est là. Ah, excellent. Ah, y'a rien de préparé, ici. Ouais, elle est là, la mallette, regarde. Hop, let's go. C'est quoi, l'icône? Comment tu vois? Attends, mec, y'a des bruits, y'a le PNJ qui est là, mec. J'arrive même pas à comprendre c'est quoi l'icône. Les deux ils sont devant. T'arrives pas à comprendre? Tu comprends pas? J'ai une chaussure de schtroumpf. Ah ouais. Vas-y, je le prends. Vas-y, prends-le, on va essayer de trouver, Attends, c'est quoi ce bruit par contre? Ils sont devant, fais gaffe, faut sortir par le côté, Viens, on sort par là. Le fantôme il rentre. Go, le fantôme il est là. T'es là? Tu t'en sors? GG, vas-y, viens, bouge. On a un livre, J'ai un livre. Moi j'ai fait shérif là en haut. Shérif, en haut de shérif y'en a. Let's go les gars, on y va. C'est quoi le livre? C'est une chaussure, une espèce de chaussure. Faut regarder là les logos, vous avez capté. Ah pas. Ça c'est un chapeau, le chapeau il est déjà. Le gun, c'est de l'autre côté alors. C'est de l'autre côté peut-être. Peut-être c'est ça, mais juste c'est mal fait, non? Je vais mettre les allumettes ici en tout cas. Ça, il y a tout ce qu'il faut ici, mec. C'est excellent. Je vais prendre un kit histoire de. Ok les gars, il y a une maison où il y a tout ce qu'il faut. Il y a allumettes, carburant et livres à chaque fois il faut mettre. Là il manque du carburant ici. Carburant. Mais vous savez que non, en fait non. On est sûr que c'est allumette, carburant et le livre à chaque fois? Alors en fait c'est juste allumette et livre. Mais carburant il sert à quoi? Faut allumer les bougies et après t'actives le livre. Regarde, fais-le, je veux dire. Viens on fait un test dans le dos de Leclerc. Regarde. Ah il est pas prêt celui-là, il est pas prêt. Tu peux pas mettre les bougies là? Mais en fait regarde, viens avec moi. Mais c'est un secret entre nous deux, ok? Ok. Vas-y, viens avec moi. Je te suis. Remets les allumettes, non?
On a trouvé un nouveau livre, on va le chercher là. Ouais, on arrive. Allez, on peut toucher le monstre, il tue pas si on le touche là. Ok. Oh putain. J'en ai fait l'expérience, j'ai failli avoir une crise cardiaque. Ok. Le gros, je parle, pas le fantôme. Waouh, il a tellement de courage. Waouh, il a tellement de courage. Ok, regarde, c'est quoi regarde. Le secret? C'est quoi le secret? T'as vu, j'ai allumé les bougies. Ouais. Et après, j'ai activé le livre. Il a pris le livre! Il se barre avec le livre! Oh putain, il a pris le livre, même pas la merde! Il a eu un sens de brûler, hein! Il a le livre, mec! Il a le livre! Eh, embrouille-le, mec, embrouille-le! Eh, reviens là! Comme ça. Eh, d'où tu prends les affaires des autres? Reviens là! Reviens là! Reviens là! Eh, reviens là où t'as dit! Reviens là où t'as dit! Attends! Mais arrête-toi! Mais attends, mon jeu! Mais. Eh, arrête-toi! Ah, il faut. Et c'est pas là où il faut de l'essence, mec! Bah attends, là, il va nous emmener! Mais c'est pas là où il faut de l'essence! Comment ça, là où il faut de l'essence? Bah, comment on l'arrête? Y'a un truc à faire, c'est sûr! Ah, faut peut-être. Ah, oui, c'est peut-être pour maintenant l'essence! Attends, j'ai... Mais. Les allumettes? Pourquoi? Les gars, il a volé un livre! Attends, regarde, il a un livre dans la main, ce bâtard! Le bâtard! Le fantôme, il a volé un livre. On l'avait allumé en cachette à un pentagone, je t'avoue. Et il a volé le livre, le fantôme. Il a volé. Attends, le livre, il était par terre? Il était par terre, il brillait, on avait activé le truc. Et le fantôme est venu, il a volé le livre. Y'a un mec là, y'a un mec là. Oui, je le vois. Il a volé le livre. Il vole avec le livre. Il vole en volant le livre. Le fantôme. Attends, mais t'essaies de faire une blague là. Non, c'est pas une blague. Non, je te jure, il vole avec le livre. C'est pas une blague. Il a pris le livre quand on l'a activé. Ok, parce que là, on est presque prêt. On est presque prêt, mec. Hein. Bah ouais, mais s'il vole le livre à chaque fois, on fait comment? Et l'essence, ça sert à rien, mec. Hein. Tu prends juste les allumettes, tu fais bim. Pam. Vas-y, allume. Ah non, il est pas prêt à être utilisé. En fait, je crois qu'il y a un ordre, mec, pour les activer. Les bougies doivent être allumées pour utiliser. Ouais, et tu peux pas l'allumer. Ça marche pas. Ça, tu peux pas l'allumer, t'es bête. Bah, essaie d'allumer avec les bougies, tu vois, ça marche pas. Ce pentagramme n'est pas prêt à être utilisé. Voilà, donc t'as qu'est-ce qu'il fait? T'en as trois, les allumettes. Pourtant, c'est bien le livre de cet endroit, ça. Ouais. Mais comment ça se fait que le pentagramme il est pas prêt à être utilisé? Ça veut dire qu'il y a un certain ordre pour activer le pentagramme? Ouais, mec, il y en a un. Mais comment on Mais sait? Je crois que j'ai ouvert toutes les caisses là. Hein. Comment on connaît l'ordre? Oh, ils ont activé un livre, ils ont mis un livre. Et là, ils s'excitent, ils ont mis un livre. Non? Vas-y, viens, laisse celui-là. Ça marche ou pas, Locke? Locke, ça marche? Locke? Non? Qu'est-ce qu'ils font? Ça a marché ou pas? Putain, c'est pas prêt. Qu'est-ce que vous avez fait, bordel? Oh mec, je sais, tu sais, y'en a, ils sont allumés. Y'en a, ils sont allumés. Ah mais oui, on est trop cons. Bah oui, c'est logique. Y'en a, ils sont prêts déjà. Mais il marche vite là. Ouais. Il m'a tiré dessus. Il a tiré. Viens. Il marche vite de fou, mec. Locke. Il est mort. Oh, waouh. Kamel est mort, je crois. Il s'est fait tirer dessus. Ah, c'est ça le bruit? Ouais, le mec il tire. Le mec il tire. Oh, wow. Il faut trouver. Les allumettes elles despawn quand tu les poses. Les allumettes elles despawn. Ah ouais, putain. Bah on est baisé. Ils ont contré. Il faut qu'on trouve le livre qui va à l'écurie. Et regarde ce connard, il a notre livre encore lui. Il faut trouver le livre là qui va dans l'écurie du coup. Ouais, et comment t'as les clés? Parce qu'une boîte est pas ouverte encore. Bah elles sont dans des lieux en fait, elles ont apparu dans des lieux quand on a ouvert l'église. Ah ouais. Il nous faut le livre de l'écurie du coup, en fait ils s'allument dans un ordre les trucs, c'est abusé frérot. Mais comment tu connais l'ordre? Ah c'est parce que lui il est rouge, c'est pour ouais ça. Voilà, lui il est allumé donc lui Mais on peut l'utiliser. Mais non, c'est pas allumer les flammes ça. Il arrive. Non mais il fait rien lui. Grenoble. Mais j'ai pas le livre à mettre dedans, c'est déjà allumé, trou de balle. Faut mettre un livre. Mais Kamel est mort, mais non on reste Kamel déjà. Il est où Kamel?
Kamel ? Attends, je vais essayer de trouver un medkit. Toi, t'es bête. On n'a pas le truc pour ouvrir ? Il est où le livre ? Tu es bête, tu te tais, tu es bête. Il est où le livre de ça, là ? Le livre de quoi ? On ne l'a pas, idiot. On ne l'a pas, idiot. Il est où le livre ? Il est où le livre ? On ne l'a pas, idiot. Vas-y, viens, viens. Toi, tu me saoules, j'en peux plus. Le carburant, ça sert à quoi ? Je sais pas, j'ai pas compris à quoi sert l'essence, mec. Il est mort. Il est nul. Mais qu'il est nul. Nul. Il est nul. Bon, je vais devoir trouver un medkit là, sinon on va dead. Très logiquement. Attends, je vais voir Locke. Mais les gars, faut vous faire drop son livre, lui faut avoir la lampe UV, on est baisé non? Mais on en a pas, on est en mode cauchemar. Bah ouais, comment on fait pour lui faire drop son livre? Je sais pas. Les gars, on a toujours pas trouvé à quoi sert l'essence. Bah, je crois. À quoi sert l'essence? Mais en fait, il manque une clé et il doit être dans son coffre. À quoi sert l'essence, là, bordel? Il y a un cercle allumé là. Mais je pense que l'essence c'est après que t'es posé le livre en fait. Donc il y a. En mode tu mets livre, après tu mets essence, après tu mets allumette. Ah, ok. Là, on prend ce livre, mais du coup il faut d'abord qu'on trouve le livre. Allumé. Venez. Non, parce que c'est pas le bon livre. C'est pas le bon livre, Kamel. C'est pas le livre qui va ici. C'est pas le livre qui va ici. En fait, regarde, je te montre. Sur le livre il y a un logo. Ah, ouais, okay. Et devant chaque bâtiment il y a un logo en fait. Et faut ouais, tu vois. Mais du coup. Mais le cercle il est éteint, du coup comment on fait? Bah je pense qu'il faut avancer sur les autres pour que lui il s'allume en fait. Donc là il faut trouver le livre, il faut trouver le livre cheval. T'as la clé salle de stockage? Peut-être que je l'ai ouais. Non, Lucas t'as que General Store. J'ai magasin général et je crois que j'en ai une autre. Et j'ai église ouais. Locke il a tout pris les gars, il a absolument tout pris. Il manque une clé. Locke, il faut que tu trouves le livre et écurie, s'il te plaît, frérot, vraiment. Mais non, mais on n'a pas ouvert en fait la caisse écurie. Mais pourtant, t'avais la clé, hein. Y'a pas de mallette écurie? Je l'ai, la clé, je l'ai. Mais on n'a pas trouvé. En fait, des fois, tu sais, tu ouvres une caisse, c'est pas celle-là. Ah. Du coup, c'est ta faute. Bien sûr que c'est ta faute. Y'a pas de mallette ici? Eh hey les gars, le monstre il tire et tout, hein, faites gaffe. Hein. Les gars, il faut qu'on. En fait, Locke, s'il trouve pas le livre écurie, en fait, on est bloqué là actuellement. Bah, mais je crois qu'il est dans le dernier coffre qui est pas ouvert en fait. Putain, mais le problème c'est que les clés elles sont pas partagées, du coup. Ouais, c'est terrible, c'est terrible. Du coup, il est dans le bâtiment à gauche là, le dernier coffre. Je crois. Il est là-dedans. Ouais, c'est ce que je me disais aussi. Et il y aura le livre et écurie. Locke, il a essayé de l'ouvrir. Ah non, c'est pas ici. Ah non, c'est pas là. Louis, Kamel, ouais. Il est enfermé dans un placard et il y a le mec dans la maison. Viens, on regarde. Viens, regarde. Il va se faire soulever. Casse-toi. Après, là, il est gentil, le mec. Bah, il buvait de la bière seul au bar, là. Là, il est là, le coffre, regarde. Ah, et donc, c'est clé de la salle de stockage, putain. Storage, attends, regarde si en fait il l'a eu. Il nous manque la clé de la salle de stockage. Non, je crois pas qu'il l'ait eu. Non, il l'a pas, faut la trouver. Fuck man. Mais c'est là-dedans, peut-être, du coup. Je sais pas, elle doit être dans un coin, elle doit être cachée de fou, mec. Bah, vas-y, let's go. Tu l'as? Si c'est elle, c'est incroyable. Non, attends, je cherche. Je crois qu'on l'a déjà fait, ça, mec. Ah, mais on l'a fait quand il y avait pas les clés, je crois. Non, y'a pas en fait. Ah, mais y avait une boîte ici aussi. Y avait une boîte ici aussi, tu vois. Donc, il doit y avoir un endroit où y a deux clés, on a raté la deuxième clé en fait. Moi je sais même pas, j'ai pas vu de clé encore. Tu vois, c'est ça qu'on doit ouvrir, Locke, faut trouver la clé de la salle de stockage. Moi j'ai ouvert. Écurie s'est posé le livre. Ah ouais? Mais je sais pas comment faire après. Bah viens, on va check. Non, je crois après tu mets essence, allumette et après. Venez, on check les gars, comment on fait un livre. C'est de l'autre côté. Mais les gars, on aurait dû faire un test en mode normal en vrai. Sois pas bête un peu toi hein.
Putain, il essaye lui. Comment on fait les gars, c'est pas instinctif. Comment on fait alors? Ah, je comprends pas. Et maintenant il est éteint. Pourquoi? Non regarde, il est pas éteint le livre, il y a un symbole dessus qui brille. Mais là du coup, et les allumettes tu peux pas? J'ai compris mec, le livre il a pris la puissance du pentagramme. Et maintenant on le brûle. Et maintenant on le brûle, attends regarde. Ah mais comment? Non, je crois faut l'amener encore ailleurs. Attends, remets-le à l'église. En gros le pentagramme, à l'église. Allumez le livre. Et maintenant le livre on peut le brûler au truc de l'église. Allez, go église, c'est sûr, c'est ça mec, c'est sûr ça. Si on le ramène pas, dites-vous qu'en fait le mec il le vole. Parce que tout à l'heure j'ai fait ça et il a volé le livre. Ouais, il l'a volé, ouais, c'est ça. Là on va le brûler, oh, quelqu'un bata. Vous avez des allumettes? Il y en a des allumettes dans l'église. Donc c'est moi, bon. J'en ai, je vais l'allumer. Pensez là. Là, mets-le. Ouais, c'est bon, c'est ça. Voilà, je mets de l'essence. Vas-y. Je suis en train de mettre de l'essence, let's go. Attends, la question maintenant c'est on le brûle maintenant? Bah on a pas le choix en fait. Oh, ils ont bien pensé ce niveau. Ah, faut peut-être tous brûler en même temps, non? Et voilà. Et je sors pas le premier. On va se faire soulever les gars à partir de maintenant. Ouais, j'aimerais trop que le monde soit à côté de Locke maintenant, là tout de suite. Éteignez vos lumières s'il vous plaît. On se casse? Ok, on a compris comment faire au moins, c'est bien. Ça veut dire que dans l'église, on peut mettre tous les bidons d'essence dans l'église en fait, déjà, direct. Ouais, l'essence, ça sert que ici. Oh, il a crash, Locke. Ah, le nul. Il a crash ou il a rage kit? Il a crash parce qu'il bête. Peut-être qu'il a les nerfs, non? Je crois que j'ai récupéré toutes les clés, les gars. Ah, mais du coup, attends, faut refaire le serve. Peut pas se retourner. Et jamais il peut se reco. Bah, si. À fort faire. J'ai compris là. Non, je crois pas, il peut se reco. Ok, vas-y, go Discord, moi. Locke, t'as déco? Non, tu peux te reco, c'est bon, je suis là. Ok. Ok, c'est bon, il se reco. Ah, parfait. Donc maintenant, on sait les gars, ici il faut mettre tous les bidons d'essence ici. Ouais, que les bidons d'essence, mais les allumettes, c'est pour les petites ici. Non, les allumettes, ça sert pour les petits pentagrammes. Ici, t'as pas besoin d'allumettes, parce que j'ai pas besoin. Ouais, ça m'en a pas utilisé. Bah, comment t'as allumé le livre après quand t'es. Bah, juste à la fin qu'il ait mis l'essence, ça s'est allumé tout seul. Ah ouais? Ah ouais, c'est bon, okay. J'ai encore 3 allumettes sur moi. Ah, okay. Vas-y, ouais, go. Ok, bah vas-y. Hein. Mais du coup, il y a des trucs qui se sont débloqués là, non? Pas. Ouais, je pense que ça a changé au niveau des. Ouais, attends, il y a un truc d'essence, je vais le mettre dans l'église. En fait. Attends, bouge, j'ai un truc d'essence, faut que j'aille mettre dans l'église. C'est bien. Oula! Le qui est mort. Il est mort. Oh non, il est mort. Ah non, il est mort. Ah les gars, l'essence faut l'emmener à l'église. Là, celui-là il est pas encore allumé, donc faut attendre, ça sert à rien. Trouver les allumer. Attends, Kamel, quand t'es mort, t'as respawn. Oh, le pauvre Lox qui s'est mangé. Vas-y, charge-le. Il a pris tellement cher. Ah les gars, let's go. Charge le livre. Ah si, faut taper, c'est bon. Ok, t'as l'essence, on bombarde à l'église après, ok? Non, faut le poser à l'église et faudra tous les brûler à la chaîne, les gars, c'est beaucoup mieux. Non, parce que tant qu'on l'a pas brûlé, lui il va pas s'allumer le pentagramme. On pourra pas allumer les autres en fait. Ah, les bâtards, ils ont tout prévu. T'es trop malin là. Vas-y, prends, j'ai un truc d'essence. Bien. Allez, go, vas-y, on y va. Attends, je prends le kit 2 ans pour Locke. Il galère tout seul quand il te parle. Je vais res-lock. Non, mais. Ok, vas-y, on y va. Vas-y, on va à l'église et pendant qu'il le réa, nous on fait le livre comme ça, ils se font focus et nous on est tranquille, et après, frérot. Voilà, c'est parfait. C'est parfait. Passe pour les héros. On est des boss, mec. Putain, c'est nous qui faisons tout. Fais tout le boulot ce soir. Par contre, quand tu meurs, tu vas voir, c'est terrifiant. Pourquoi? T'es dans l'enfer bizarre et tu dois en fait sauter. T'as un mini-jeu de saut. Ah si ouais? Tu meurs ce soir, mais toi tu vas pas mourir, t'es un boss. Je pense que je vais mourir beaucoup de fois, mec. Et une fois que t'es là-bas, il faut faire un espèce de mini-jeu de saut. Tu verras, il y a un rocher par terre, tu dois tomber dessus. Bon, let's go. Mais en vrai, ce qu'on aurait dû faire, c'est mettre tous les livres sur tous les pentas correspondants, en fait. On l'a pas fait, on est mort. Si, on l'a fait la plupart, hein. T'es sûr qu'on l'a fait? Regarde, celui-là, il est éteint. Là, il y en a un qui est allumé, de pentas.
Mec, il y a plusieurs fantômes. Mec, ça rajoute un fantôme à chaque livre. Oh, oh non, non, les gars, c'est archi. C'est tellement dur. C'est tellement. Les gars, vous êtes où, allô? Bête, bête. Mec, c'est tellement dur. Il est là, cet enfoiré, là. Je sais pas, mais il y a un mec qui s'est fait égorger. Ah, là-bas, il est mort aussi, regarde à gauche, à l'hôtel. Non, là, il a respawn là-bas, je crois. Quand tu meurs, tu respawn ailleurs. Attends, il monte les marches ou touche rêve? Ouais. Mais mec, on est bloqué là, mec, on peut pas s'enfuir, mec. Éteins ta light. Chut. Non, après, il est gentil là, je crois, il est gentil là, tu es un gars, il est gentil, il est rassasié. On peut passer. Vas-y. Fais-moi confiance. Vas-y. Vas-y, go. Fais-moi confiance, on peut passer. Vas-y, frère, go. Non, je te jure, vas-y. Je te jure, là, il tue pas. On dirait bien qu'il t'a choisi. Ça c'est pour essayer de m'avoir trompé, frérot. T'es en dessous de moi, connard. Ouais, j'arrive avec le kit de son, j'arrive. Ah la gueule, elle est dingue. On est là, Locke. On est là. J'ai une clé, les gars. Il est où le kit de soin? Oh, t'as la clé. Mais il est en dessous, gros noob. Ta gueule. T'as la hôtel. Ta gueule. Mec, qu'est-ce qui me reste là? C'est moi qui t'ai reste. Les gars, il reste 8 livres à faire, on va jamais réussir. Oh, t'as la salle de stockage. Let's go. J'arrive. J'entends un bruit. Non, j'ai pas le coffre. Je l'ai, c'est bon, j'ai le livre. C'est l'hôtel, c'est le livre de l'hôtel. Hôtel. C'est ici, c'est bon. Et ben go, regarde, go. Hop, let's go. C'est pas bon, c'est pas bon. Les gars, tous à l'abri, les gars. Mais il a fait un livre tout seul, Kamel. Il a brûlé un livre tout seul. Monte sur la chaise, gros nous. Mais oui, comme ça on est bête ici. Oh merde. Attends. Non, c'est bon, on est bien, il s'est trompé de maison. Il tire à blanc, c'est des balles à blanc, frérot. Ah bon? Okay, ouais, okay. C'est balles à blanc. Ah, il est là-bas, le pentagone, t'as vu, il est dans la mine. Ouais, y'a un pentagone là-bas, c'est le truc de la mine. Vas-y, on y va, viens, on fait du remap là, vas-y, va sur le petit mur. Ça marchera pas. Je te promets. Si ça marche pas. Je te promets, ça marche. Je t'insulte. T'es quand même mort ou pas? Connard. Non. Non, tout le monde est là. Il faut le livre de la mine. Ah, on a pas le livre de la mine. Et ouais, y'a un mec qui est mort. Je vais le reste, j'ai un medkit, je vais le reste à ce gros noobs. Putain de noobs de merde. Il est là, livre de la mine, je l'ai. Louis, il était juste là. Vas-y, tiens, fais-le. Y'a déjà de l'essence à l'église, on saura qu'il y en a à la mine. Prends le livre. Non, je vais réa le gars. On fait un livre. Prends un essence, Locke. Prends un essence, allez à l'église, je vais réa Kamel. Bisous les gars, on se retrouve, bisous. Vas-y, bon courage, Bruno. T'es mort. Plus d'être butte. Ok, le problème c'est qu'il est en face du gars. Si je veux m'en sortir, si je rentre ici, il y a une armoire. Je sais pas où elle est. Jamais y arriver. Je vais le réa, tais-toi, big noobs. T'inquiète frérot, t'inquiète, je vais te sortir de là. Je vais te sortir de là.
Je vais te sortir de là, je vais te sortir de là. Je vais te sortir de là, ça va Kamel, ça va aller mon frérot. On a trouvé un livre, on a trouvé un livre, j'ai des bonnes nouvelles, j'ai des bonnes nouvelles. Je vais sortir de là. Vous avez trouvé le livre de la mine ou pas? Ouais, on a fait le livre de la mine, on l'a vu, c'est bon, c'est fait. Okay. Moi j'ai de la batterie. Prends l'essence, prends l'essence et viens à l'église, on ramène de l'essence à l'église, go. Allez viens. Vas-y. Allez. Moi j'ai trouvé de l'essence, ça veut dire si tu vois le fantôme qui avait notre livre, je peux lui reprendre le livre. Grâce à quoi? Grâce à de l'essence? Non, grâce à une pile, pardon. Ah ok, GG. J'ai trouvé une pile. Ok. Mais le problème c'est qu'il y a plein de fantômes qui veulent voler plein de livres. En fait, tu peux pas laisser un livre illuminé. D'ailleurs, tu vois, ils l'ont posé, ils l'ont pas brûlé encore. Ils ont grave raison. Ouais, ils abusent. Arrête, arrête. Ah merde, ok. Il a dit ah oui. Ça... Frérot, si tu fais ça, le clé, on va l'entendre crier du si. Tu veux faire ça? On va l'entendre. Là, y a un mort là, je crois. Il va péter. Il va péter les plombs. Il va péter les plombs. Viens, on peut croire que c'est Chitos. Ouais. Non, viens, on dit que c'est le monstre. On dit que c'est le monstre. Ok. Viens, on va. Ouais, vas-y, go dans le trou direct. En gros, moi je me mets là. Et s'il vient, t'es mort et moi je me sauve. Il va péter les plombs, Locke. Il avait fait sa petite strat de. On a la clé du stockage. Ouais, on l'a, je l'ai. Viens, ouvre ici, c'est game. J'arrive. T'es où? Viens là, regarde. Ah, c'est Locke qui l'a pris, C'est Locke qui l'a. Oh putain. Il nous faut le. Il nous faut qu'on se barre déjà. C'est drôle les coups de feu. Les gars, il faut qu'on trouve le livre. Ils volent les livres, ils volent tous les livres en fait. Faut les mais oui. On est baisé. Ah ok putain. Même les livres pas allumés. Même les livres. Bouge, y'a un mec derrière toi. Allumés, ils l'ont volé. Donc même les livres pas allumés, ils font ça. Ouais, ils volent tous les livres mec. Ah les chiens. Là ici là, ici. Vas-y prends-le, c'est juste là. Locke, let's go. Je le fais, protège-moi. Vas-y, je te cover, vas-y. Allume les bougies, elles sont pas allumées. Les bougies, elles sont pas allumées. J'en ai deux sur la gueule, roule, gros noob. Les bougies sont pas allumées, trop du cul. Mais t'es vraiment un noob, putain. Tais-toi. Tiens, je t'ai mis là. Je t'ai mis à la porte. Prends-les. Aïe. Je suis dessus, c'est bon, ça charge. C'est bon, c'est ouais, bon. Ouais, je suis dessus. J'ai le livre. Tank. Ok frérot, j'ai le livre. J'ai le livre. En fait les gars, faut garder tous un livre dans les mains et on va brûler les 4 en même temps. Voilà ce qu'il faudra faire. Oh non, il a cramé. Oh, vas-y Lucas, faut le brûler direct. Hein. Non, faut qu'on ait tous un livre dans la main. Ah ouais, non, parce que ça... Je vais le brûler. Il a raison, si on a tous un livre, c'est bien. Ouais, mais on pourra pas parce que c'est quand tu brûles que ça active un pentagone. Fais chier. Oh là là. Mais le niveau est bien en vrai, il est vraiment trop cool. On est tellement mort. Vas-y, je brûle. Direct. Ok. Putain, avec ces gros bruits de pas là! Pète les couilles lui!
Je dois faire quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire quoi? Ah, je dois les brûler. Ok. Pardon les gars, j'ai eu peur, j'ai très peur. Ah mais là où il y a mon medkit, je suis mort là où il y a mon medkit. Excellent les gars. Il y a un kit, go, il y a un kit. Allez, réa moi, merci mon frère, je t'aime. Les gars, je vous protège, je vous aide. Il y a un con sur moi, tu parles. Non, fermez pas les portes. Eh les gars, je vous jure, fermez pas les portes, c'est le pire truc. Ok, ok. Les gars, il est où le pantalon? Il y a le shérif. Oh non. Mais m'enferme pas! Je suis obligé, je dois fermer le fantôme! Trou du cul! Les gars, il est où le pentagone allumé? Il y a un livre là, déjà il va falloir récupérer ce livre, pour ça il faut une pile. Il faut des allumettes, il faut des allumettes! Ok, je vais trouver ça. Allez vous cacher! Oh non. Je suis mort. J'ai des allumettes. Allume. Ok, je suis en train de le faire. Apparemment, c'est libre. Fais gaffe, il y a un fantôme qui arrive. Hein. Il est lent. Tant que le fantôme, va prendre l'agro. Vas-y, je prends l'agro. Qu'est-ce qu'il y a? On est mort. On est mort. Désolé, mon frère, je t'aime. Merci d'avoir pris l'agro, mon frérot. T'es un boss. Merci beaucoup, mon frérot. Ok, je sais qu'ici je peux me planquer. En cas de blême, je peux me planquer ici. Cette enflure là. En cas de blême, je peux me planquer ici. Lui, il a toujours un livre, il a toujours un fantôme qui a un livre. Faut qu'on trouve une pile pour le niquer. Je vais prendre le livre. No panique. On est mort. Oh non, c'est une catastrophe. Oh non. Y'a un livre ou pas là où t'es? Y'a un livre où t'es ou pas? Je suis bloqué. C'est quoi cette map? Mais non, mais je suis bloqué. Allô? Je m'en reprends rien. Quelle news. Oh mon dieu. Bloqué par le fantôme. Oh mon dieu. C'est vraiment bête. Je suis bloqué, les gars, je peux pas sortir de là. Ah c'est bon. Je suis bête, fallait juste sauter. Jamel, ça va aller. Il est là, je crois. Fais gaffe. Tout va bien, il est pas après moi. Oh, mais comment il... Gâchez-vous, il tire à vue. Ouais, non mais là, ça devient trop dur, mec. Oh. Tiens, Kamel, ça devient tellement dur. Mais après, je crois qu'on aura plus de kit, hein. Bah ouais, ça le problème, c'est que les kits, ils respawnent pas. Ah ouais, putain, j'en ai trop une vue. Je viens de mourir pour rien aussi, je suis abattu, mec. Il y a deux fantômes qui ont un livre, en vrai. Il y a deux fantômes qui ont pris un livre. Faut qu'on chope des piles pour réa les deux fantômes. Là, y a tout un bordel, y a pas de piles. Y a une pile ici. Ils viennent dans les armoires ou pas les fantômes? Ouais, là, ça part en couille, les gars, ça devient trop dur. Ça devient trop dur là. Ah oh, la vache! Il me lâche pas le fantôme. Bon, vas-y, je suis obligé. Tiens bon, j'arrive. Ok, prends le livre. Je te réa, tiens.
Le livre il est à l'hôtel. Le livre à l'hôtel. Ouais, t'inquiète, attends, il a pris un livre là, il va aller le brûler. Nique le deuxième fantôme, nique le deuxième fantôme avec ta lampe. Nique le deuxième fantôme avec ta lampe là pour récupérer. Lock, lock. J'ai pas de lampe, j'ai pas de lampe. T'as plus de piles, fais gaffe, lui va se vénère, on est mort. On est mort. C'est bon, il s'est barré en face, c'est barré. C'est quoi le bouton, c'est quoi le bouton, frérot? Le bouton pour. Trop de balles là, tu crois que je vais mourir de ça, imbécile. Il y a deux fantômes qu'on délivre là, putain il nous faut des piles bordel. Vous avez pris le livre? Ah c'est Locke qui l'a. Ouais mais il y a deux fantômes qu'on dépile, qu'on délivre donc il faut prendre des piles pour les niquer. Aïe, aïe. Il faut des piles. J'en ai marre qu'il me traque là ce fantôme de merde là, putain. Je veux Tréa mais j'ai un mec sur moi. Attends, viens là. Non, t'inquiète, me réa pas, garde le dernier kit pour un mec plus fort. Frérot, t'es le mec le plus fort, let's go. Oh merci. Ok, le livre il est magasin. Il est là. Allume les bougies. Allume les bougies. J'ai rien pour allumer. Allume. Wouah, c'est John Wick. C'est John Wick le type. Wouah. Ah ouais, c'est John Wick l'enfoiré. Je vais dead là en fait. Ok, là on a plus de kit, on est à la moitié. Putain, le jeu il est dur, les gars. Oh, on aura tenté en mode cauchemar, hein, mais c'est dur. Wouah! Help! Faites sans moi, les gars. C'est un noob avec une lampe à UV ou pas? Non, j'ai pas de lampe à UV, mec. Je suis. Attends, je suis. Frérot, il nous faut une lampe à UV, c'est terrible. Ouais, mais y'a pas de pile sur la map, c'est un truc de dingue, mec. Y'a pas de putain de pile quoi, c'est dingue. Oh merde. Oh putain, et lui maintenant quand il court lui, quand il te chasse t'es mort. T'as genre 2 secondes pour te cacher sinon il t'attrape. C'est terrible. Je refais tous les petits recoins, tous les petits des endroits de merde. Y'a pas de pile. Oh, comment on fait pour récupérer les livres s'il n'y a pas de piles? C'est là où en fait le mode cauchemar il se fait sentir, je trouve que c'est sur les piles. 6, pas mal, 6 sur 10, c'est cool. Y'a un medkit? Tu vois un medkit ou pas quelque part? Tu vois un medkit quelque part ou pas? Je regarde à droite, à gauche, en haut, en bas, non, y'a pas. Oh putain, on a plus de mettre. J'en ai, poussez-vous, il y en a 3 à côté de l'église, ok? Arrête de bouger! Désolé, les gars, fermez pas les portes, je vous jure, je vais m'énerver. Ok. Il nous faut un livre. Allez, là, gars, il faut bouger. Ils ont cassé l'armoire. Venez tous voir là. Ouais, je viens voir. Quand vous êtes ici, vous êtes morts. Donc le seul moyen de s'en sortir, c'est là. Tu sautes sur ta bourrée, tu sautes ici, après tu sautes ici, ok? Ok. Game breaker. Game breaker, les gars. Faut trouver des pulls et brûler les fantômes avec les livres. No joke. Il y a des piles partout maintenant. Il y a plus de piles, mec. Il y a jamais de si, piles, mec. Si, elles ont ripop, elles ripop. Ah ouais. Il est mort, Chitos. Ouais, ripop. Il rentre dans la maison, lui, là. Regarde. Ah ouais, il y en a un là. Wouhou. J'ai une pile. Moi, je vais péter les plombs, mec. Les gars, c'est moi. Ok. Waouh. Waouh.
ils sont énervés les fantômes, mec. Les fantômes, oh. Waouh. Eh ben lui aussi il est ouf, hein. Non mais là 6 sur 10 ça devient un terrible, mec. Ah ouais, c'est un délire, les wow. Fantômes, ils sont vraiment dur à gérer. Ah le bâtard il a pris le lit. Ouais, on est dead, hein, je pense, hein. Ouais, je pense que c'est la fin là. Ils sont trop forts, mec, c'est incroyable. Ils sont trop forts. Bah en fait y'a pas de strat, hein, à part poser les allumettes sur les pintas et... Bah en fait je pense en début de game faut mettre toute l'essence dans l'église, ça c'est sûr. Après tu poses des allus sur les pintas et elles disparaissent pas. Oh 7, bien joué. Ah faut enchaîner, hein, à part mettre l'essence à l'église y'a pas grand chose à faire. Ouais, c'est juste relou de récupérer des livres sur les mobs, quoi. Faut trouver des piles, c'est galère. Ouais, mais limite, j'ai en envie fait, de dire, mec, j'ai envie de dire, les livres, on les laisse dans les boîtes, en fait, tant qu'on n'a pas besoin de... Comment dire, tu sais, on ouvre la boîte, mais on le prend pas, le livre. Pas con, que comme pas ça, con. Le fantôme peut pas la prendre. Pas con. Je pense, hein. C'est tellement dur, mec, c'est ouf. Oui, il reste que Kamel. Ouais, ouais, y'a Locke qui est dead. Je suis sûr qu'on va l'entendre rager si on va sur la terrasse. Alors, gros noobs. Nul. Nul. Oh, mec. Bête nul, bête et nul. C'est Kamel. C'est Kamel, il vient de se prendre une balle dans la tête. Mais les gars, vous êtes trop nuls. Je vous ai dit qu'il y a des boucles de 3 encore. J'ai foulé le 7ème livre. Les gars, je pense que le 2ème try on gagne. Aïe aïe aïe. La défaite de l'équipe. Aïe 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 aïe. Il m'a posé sur une table à manger. Quelle humilité. Quelle indignité, je voulais dire. Pas humilité. Bon. Les gars, on peut le faire. On peut le faire. Les gars, écoutez-moi, vous m'entendez? Ouais. Ouais. Là, on est arrivé à 7 livres. Et je pense on a fait beaucoup d'erreurs, on a gaspillé beaucoup de kits de soins, c'est surtout ça qu'il faut surtout pas faire. Kamel, t'es mort 7 et... fois. 7 fois, mais Kamel, non, tu consommes tellement de kits. C'est sa première fois, mais t'es prêt. Mais j'ai créé l'espoir. Ok, écoutez-moi. Je m'occupe des clés, d'accord. Squeezie, tu vas chercher les clés de l'église, tu ouvres l'église, d'accord. Tu ouvres les deux portes, ok. Kamel et Chitos, vous prenez tout le carburant et vous le ramenez à l'église. Une fois que ça c'est fait, on commence à s'occuper des livres, ok. Moi, une fois que je m'occupe des clés, une fois que Squeezie t'a ouvert l'église, tu prends tous les kits de soins et tu les mets au milieu de la map. C'est compris? Oui. Ok. On a gagné, les gars, mais t'es prêt? Let's go. Et attends, on peut pas augmenter nos compétences maintenant? Non. T'as combien de points? Si, j'ai un point, c'est quoi le meilleur? Vas-y. Ok, achète. Donc les gars, je récapitule. On met toute l'essence à l'église. Ensuite, on met tous les medkits middle map. Ensuite, on met une boîte d'allumettes par pinta. Non, on met toutes les boîtes d'allumettes middle map. Ils volent les allumettes, les fantômes. Kamel. Moi j'ai pris les items highlight. Locke, ils volent les allumettes ou pas les fantômes? Non, ils volent que les livres, les fantômes. Ok, les gars, on fait. Les gars, écoutez, il y a une autre strat. En fait, on peut avoir un gardien de l'église. C'est-à-dire qu'à mon avis, on peut poser les livres et il y a un mec qui reste à l'église, qui garde les livres, qu'on pose. Et en gros, dès qu'il y a un fantôme qui arrive pour essayer de chipper le livre, en fait, ce que tu fais, c'est que tu tournes, tu prends l'aggro du fantôme. Mais le truc, mais le fantôme, c'est qu'on est quand même obligé toi, de. Non, il t'aggro pas, il focus le livre. Il focus le livre. T'es sûr? Sûr. Les gars, ce qu'il faut faire. On est obligé de cramer les livres pour débloquer les autres livres. Middle map, on fait un énorme tas de medkits et d'allumettes. Comme ça, on sait que c'est là. Toute l'essence, elle est à l'église. Ok, et ensuite, on enclenche. Est-ce que ma stratégie, la mienne, vous convient? La tienne est bien meilleure. Mais Merci, on y va. Attends, mec, et si on laisse les livres dans les boîtes quand on a ouvert les boîtes, mais on les prend pas des boîtes? Peut-être qu'ils peuvent pas les prendre, les fantômes. Genre, si. On les s'en fout parce qu'il faut qu'on les purifie, les livres. Bah oui, mais du coup, ils pourront pas les prendre, les fantômes, s'ils sont là-dedans. Non, en fait, j'explique. Si tu purifies pas les livres, en fait, ils sont capés par 2 ou 4, je sais pas.
Et en gros, quand tu purifies le livre, ça débloque les autres livres que tu peux purifier. Ouais, mais tant que t'as pas purifié le livre, tu peux pas débloquer les autres. Ça débloque les autres pentagrammes. Rouge, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et okay. Ils ont fait exprès parce qu'avant tout le monde faisait ça. Non, mais t'avais capté. Moi, je parlais, tu sais, quand tu ouvres les boîtes avec les clés là. Et les gars, faisons un tas de piles au milieu de la map à côté des allumettes et des medkits. Pas les cramer. Ça change rien. Moi, je crois que tu peux pas les sortir. Ok, Squeezie, tu gères les medkits. Moi, je gère les clés. Squeezie, tu ouvres l'église d'abord parce que tu sais où est la clé de l'église, ok? Non, je sais pas, c'est random, elle porte random, mec. Je gère l'essence, les gars, je gère l'essence. Non, tu trouves la clé de l'église. Okay, Kamel, il trouve la clé de l'église et il gère l'essence. Moi, je m'occupe des medkits. Louis, il s'occupe des piles. Et toi, tu t'occupes des boîtes d'allumettes. Tu arrêtes, petit imbécile. Mais si, c'est mieux que ce soit la clé. C'est mieux si je m'occupe de la clé de l'église. Mais oui, laisse Kamel faire. Ouais. Bah non, faut mais me dire. Mais c'est random. Mais c'est Squeezie qui l'a trouvé, c'est pas random. Non, c'est pas c'est random. C'est random, elle apparaît random, c'est sûr. Non, allez, n'importe quoi. Combien on parie tu vas la chercher là? Mais ok, elle est dans la chambre à l'étage, c'est vrai, je m'en souviens. Vas-y, on y va, t'inquiète. Je récapitule. Louis, c'est les allumettes. Moi, c'est les medkits. Pardon, je la refais. Louis, c'est les piles. Locke, c'est les allumettes. Mais mec, les piles, c'est introuvable. Mais c'est ici, c'est ici. Y'a des de baiter là. Oh, les piles, elles apparaissent plus tard. Non, y'en a une, les gars, mais vraiment. Les mecs, ils disent les piles, des bons joueurs. Mettez-la, middle map, au milieu de l'allée, on met tout. J'ai sauvé un livre. Ouais, mais. Je sais pas ce que t'as fait. Les gars, faut vraiment qu'on concentre. Je l'ai coupé. J'en peux plus de ce capitaine. Je peux plus. Il me tend, il nous nuit. On s'en bat les goûts. Allez les gars. Second try, c'est maintenant. Allez, tout le monde sait ce qu'il a à faire. On y va, let's go, go, go. Allez. Elle est où la clé de l'église? Bête. Prends tes allumettes, réunis les allumettes. Réunis les allumettes middle map, casse pas les couilles. Mais les allumettes, tu les mets sur les trucs, t'es bête ou quoi? Ta gueule. Y'a pas assez de trucs. Donne-moi le medkit, putain, c'est mon boulot ça. Mais ton boulot c'est trop. Oh, okay. Qu'est-ce qu'il est nul. C'est un truc de fou. Qu'est-ce qui nous gaffe ce gars? Tout le temps là, blablabla, je m'appelle Locke, regardez-moi, je suis le chef. Je vais vous apprendre ce qu'il faut faire. En étant backseat par son chat, ce noob. Il est nul. Je suis fatigué. J'en peux plus. Où sont les medkits? Ok, y'a quoi? Y'a pas un petit pinta là par ici? Y'a pas de pinta. Let's go. Ah, mais c'est pas possible! Oh non, pas lui. Ok. Y'a rien, ici c'est un bâtiment de bête. Mais y'a quand même, ça fait quand même beaucoup de. J'ai quand même envie de trouver. Je jette un kit de soin ici, j'ai ramené un essence. Ok, GG, ils sont là-bas. Ils sont là-bas les kits. Ah, c'est là le milieu. Ouais. Non, c'est pas là le milieu. C'est pas là. On décale tout? Vas-y, on décale tout. Je l'organise. Vas-y. J'avoue, go faire une ligne en fait, on en met partout au milieu hein. Et on prend le plus proche comme ça. Go les splits. Vas-y, c'est bien en vrai, laisse comme ça, je pense, laisse comme ça. On perd du temps là. Oh mec, je m'attendais pas. Dis rien, Locke. Ok. Dis rien, Locke, on va se faire défoncer, dis rien. C'est qui est mort? Personne. Oh, y'a une pile. Nulos, c'est plus qui est mort, les gars, non? Non, je suis pas mort et je t'entends. Trou de balle. On entend ce pas. T'es
Ouais, la strat de tout mettre par terre dans l'allée, elle est incroyable. Moi, je pense qu'on va gagner. Je pense que cette fois, on va y arriver, à mon avis. C'est genre la best strat, tu vois, en vrai. On aura une pile si jamais il y a un petit fantôme qui vole un truc. Clac. J'ai mis la pile ici, exprès, j'ai mis la pile ici. Non, regarde, mets-la avec les allumettes. Au middle map. Là, là, regarde, ici. Il y a deux piles et deux bois d'allumettes. La box des tables. Bah ouais, je trouve pas de box dans les tables. Dans les tables. C'est les chevals là, non? Si, si, viens, suis-moi. Ah, ok. Allez, les gars, on donne tout, on va y arriver, je vous le dis. Et quand on met ça, viens, on le laisse là. Mec, les allumettes, mets-les à côté de l'hôtel. Pourquoi tu mets les allumettes au milieu? Mais parce qu'on sait pas quel truc va s'allumer, trou du cul. Stable saloon. On sait pas quel truc va s'allumer, idiot, imbécile, trou de balle. Mais si, c'est lui qui a allumé là, c'est l'étape qui a allumé. Lui en l'occurrence, oui, mais pour les autres, on peut pas savoir. Je vais en mettre une. Ouais. Vas-y, tu vas allumer les feux. Le quoi? Idiot. Je deviens violent, les gars. Force d'être avec le clear, je deviens violent. Il nous rend violent. Est-ce qu'on a bien regroupé tout ce qu'il y avait à loot là? Je sais pas, ça me... Est-ce que les medkits ils spawnent au fur et à mesure? Vous pensez? Est-ce qu'on a fait le sous-sol? Pas sûr. Ouais, si on l'a fait, y'a rien. Y'a rien, putain. Ok. Ça c'est fait. Là y'a ça c'est fait. Là il y a tous les medkits, on va bien les mettre tous ici. On a 2, 4, 6, 7 medkits. Je pense qu'ils spawnent au fur et à mesure. Je pense que pour pas que notre strat elle soit infaillible, ils ont fait en sorte qu'ils ont... Coffre de l'hôtel, ok. Tu vois, ils ont mis un maximum de... Non, je vais mourir. Pas moi. Wouah, mec, j'ai eu de la chatte de fou. Ouais, tout va. C'est sur lui qui l'a tiré? Ouais, sur moi. Non, il rigole pas lui hein. Non. Mais quoi comme clé? Hôtel, c'est ici hôtel. Ouais, c'est ici, ouais, c'est pour ça que je suis là. C'est à l'étage, je crois. Peut-être c'est là, attends. Non, c'est en haut, c'est en haut. Ah. J'ai eu la clé de la banque. Elle est juste à côté. T'inquiète, j'y vais. Là, vous mettez les livres sur les bons. Vous mettez les livres sur les bons pintas? Mais il a allumé lui, non? Ouais. Mais je crois que le livre il spawn dans la bonne maison à chaque fois. Y'a de l'essence là, dans là où je suis, Kamel. À l'étage dans le bâtiment là-dedans là, y'a un truc d'essence. De l'autre côté là. Ici? Non, de l'autre côté, viens, là en face, ici là. Ok, bah il en manque un, j'en ai 9. T'as un boss? Je l'ouvre maintenant ou pas ça, Louis? C'est toi qui l'as la clé, ouais. Ouais, en fait ça correspond, t'as raison, le livre il correspond, ouais, c'est grave simple. En fait. C'est pour ça que je dis, en fait, on devrait attendre. Parce qu'en fait, on sait que le pinta il a allumé, donc on a qu'à juste pas ouvrir les boîtes et c'est bon. Et en fait, y'en a combien de pintas allumés? Y'en a 3 ou 4 des pintas allumés? Y'en a 2 là, je crois. Y'a l'établi et y'a ici. Donc on a juste à ouvrir les boîtes que quand on a besoin du livre et c'est... Ok, bah faut ouvrir la boîte de l'écurie. Mais le livre il est pas dans l'écurie, bon, je crois. La boîte de l'écurie. Je l'ai ouverte, on a ouvert toutes les boîtes là. Et t'as fait le livre de l'écurie? Les boîtes quand on a besoin. T'as fait le livre de l'écurie? Mais oui, t'as raison, non. En fait, tout ouvrir et mélanger les livres, c'est oui, une idée de merde. C'est ça. En fait, tu vois les pandas allumés et t'ouvres le livre quand t'as besoin du livre de... Exactement, viens, on fait ça. Lock, écoute la strat. Lock, ok, lock. Attends, t'as un livre de près? Ouais. Lock, écoute la strat, lock, s'il te plaît, écoute, je t'en supplie. Écoute. En gros, les coffrets ils correspondent au livre du bâtiment où t'es en fait. Bouge, y'a un fantôme, lock, bouge derrière toi. Ouvrir que quand t'as besoin de ce livre là. En fait, c'est pas random, le livre c'est jamais random. Le livre c'est le même que le bâtiment. T'es sûr? Non, bah alors on a full chat, mec, si c'est le cas. Ok, donc tu veux ouvrir que, bah que quand on a besoin, mais en même temps ça me paraît trop simple, t'as raison, mais ça fait deux fois qu'on tombe bien. Non, alors écoute. Il faut purifier le maximum de livres en même temps dans ce cas-là. Ouais, je sais, ouais. Là, il y avait quoi là? C'est quoi le livre que tu viens de prendre? Ça là. C'est quoi le logo dessus, s'il te plaît? C'est le brain. Pourquoi il l'a cramé? Lock, écoute! Les livres dans les coffres, c'est bel et bien, ça correspond au bâtiment où tu le trouves! Non, pas comme ça. Bouge, je vais mourir, bouge.
Il en fait qu'à sa tête. Non, c'est pas random, les gars. Ça fait 3 fois qu'on tombe bien. Je pense que c'est pas random. Je pense que le livre dans le truc en question, c'est le livre du bâtiment. Du coup, c'est simple. T'arrives dans un bâtiment. Il y a un mec qui a toutes les clés. T'arrives dans le bâtiment. Si c'est allumé, tu montes, tu prends le livre, tu fais le truc. Si c'est pas allumé, tu changes de bâtiment. Comme ça, c'est. Quoi? J'entends pas! Je vais mourir. Non, je vais mourir. Non, 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 non. Je suis mort, je suis mort, je suis mort, je suis mort. Ah, on va se faire un streamer chat. Ah ouais, ouais, j'ai la totale. À moins que. Ah. Ça marche pas devant lui. Ça marche pas. C'est pas random du tout en fait. Donc du coup en fait c'est trop simple à faire les livres. Il faut juste pas tous les ouvrir et les changer de place comme on a fait. On s'est complexifié grave le jeu. Lui il est allumé tu vois. Et là le livre il... Non c'est les allumettes c'est bon. En fait t'ouvres le livre du lieu. Ouais là ils enchaînent. Mais je sais pas si Locke il a bien compris ce qu'on disait. Moi j'ai le clé de la banque, j'ai le livre de la banque du coup. Donc si la banque est allumée, c'est à moi d'y aller. Et l'hôtel, on vient de le faire. Ils sont déjà les med kits, ils sont verts. Ah, ils sont là-bas. Comme ça je suis au medkit, voilà. Les gars vous avez capté dans la... Dans le... Barrez-vous, 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 barrez-vous. Il rentre dans l'hôtel. Non il change, il va dans le bâtiment en face. Bonne chance, je vous aime. Alors il nous reste 1, 2, 3, 4, 5 medkits si on compte pas celui qui va me réa. On est à 3 livres, il faut repérer les cercles allumés. Et dès... Ouais, Simer, merci mon frère. C'est lequel Pinta qui est allumé là? Je sais pas. Faut que j'aille à la banque, mec. J'ai. La banque, c'est. C'est pas là, c'est là, c'est là à droite là. Là, je te déplace. Ah, les gars, celui-là il est allumé, ok. Le Pinta du storage il est allumé, putain, je vais mourir. Non, c'est bon. Tout le monde crève. La banque, c'est ça? Les gars, il est à la banque. Le mec est à la banque. Le même, c'est que le livre aussi est à la banque. C'est bon, il s'est barré. Ah, je suis dead, je suis dead. Oh non. Il faut pas mourir. J'essaie. Mange 3 fois. Les gars, prends l'agro, prends l'agro, prends l'agro, prends l'agro, prends l'agro, prends l'agro. Je vais mourir. Je vais mourir. Tu vois aussi. Vas-y, barre-toi, 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 barre-toi. On est trop fort, mec. J'arrive, Kamel. Prends l'agro, faut que je puisse faire le livre, frérot. Il a vérifié. C'est pas grave. Je vais faire le livre, mec. Non, 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 non. J'ai pas le temps, putain. Faut que je l'éloigne de... Attends, je vais les éloigner de ouf là-bas. Je vais mettre jusque là. Ah, c'est bon, ils m'ont lâché. Ah non, putain. Ok, viens. Le livre de storage. Ouais ouais je le fais. Vas-y viens attends. Prends l'agro s'il te plaît, prends ce putain d'agro s'il te plaît. Vas-y prends. Ah, mais là tu me prends. Mais mec c'est pas là storage, tu vas où? Tu vas où? Bon je vais faire le... C'était là en plus storage. Il est bête, il panique alors que j'y vais en plus.
Quel troller, tu passeras pas donc tu m'apparaises. Il y a une trousse de soins dans l'armoire. Arrête, on va mourir mec, arrête, arrête, ils vont prendre le livre. Oh là. Je vais à l'église, j'ai un livre. Kamel, je vais à l'église, va réa Louis. Vas-y, vas-y, j'ai compris. Non mais moi, personne m'a prévenu qu'il regardait dans les armoires hein. Ouais, des fois il pète l'armoire, il est relou. Bon frérot, j'y vais. Cover, cover, cover les gars, prenez l'aggro pour nous. Prenez l'aggro, j'ai un livre. Je vais brûler un livre, je vais brûler. Qu'est-ce que j'aime passer à côté d'une maison et entendre Locke râler. C'est tellement un kiff les gars. Et à lui je le pose. Allez. Allez, let's go. 4 sur 10, c'est tout, putain, c'est nul. Oh là là. Qu'est-ce que tu fais? On est dans la merde. On est mort. On est mort, on est mort, on est mort. Je t'ai pas tué frérot. T'es nul, qu'est-ce que je te dis. Gros oops. T'es bête, t'es nul. Ah, je l'entends te grignoter les fesses. Mais oui, j'ai mal. Ah, il faut le livre de la mine. Il faut la mine, il faut la mine. Il faut le coffret de la mine. J'ai marqué dans le chat, j'ai marqué mine, lock mine. Je vais aider le trou du cul. Qui est le trou du cul qui est mort là? Il faut aller mine. Ok, c'est mine et vente de fringues. Mine et vente de fringues. Ah, il est là, vas-y, let's go. Faut des allumettes. Allumettes ici, s'il vous plaît. Allumettes ici, s'il vous plaît. Allumettes. Ok, donc c'est celui-là, il mine. En fait, ça allume deux par deux. Ça allume deux par deux. Vas-y, go. Vas-y, va allumer le truc, s'il te plaît. Il se balade, oh. Tais-toi, fais, et tu bêtes. Prends la gros. Ta mère, je vais mourir. Te focus, tu poses. Prends la gros. Je veux pas, je te pose, te focus en fait. Bah, viens, on fait un big tour. Ah putain, on est baisé. Vas-y. Ce qui est chiant, c'est ça en fait. C'est le petit temps là, c'est ça qui nous baise. Oh non, pourquoi t'as fait ça? Non, jure. On est bloqué mec, vous êtes trop relou. Ok. En fait faut juste mettre deux par deux. En fait on a très peu de piles, on les garde si jamais ils volent un livre. La clé du succès là les gars, je vous le dis, c'est de faire les livres deux par deux. Vas-y, on les tue, on pose parce que là ça me rend fou là. Ouais, vas-y go. Je viens 13, je vais mettre un livre et je viens très A frérot, j'arrive. Non, toi je vais t'aider gros. Il y a des maxi campeurs sur le truc. Il y a déjà un livre dessus, brûle le livre. Brûle, j'ai les mains pleines, brûle. Prends la gros. Attends.
Log, viens, viens, prends, prends les tous, prends les tous. C'est bon, pousse-toi. C'est bon, je les ai, je les ai. Prends-les, 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 gardez. Je les ai, je les ai, je les ai, je les ai. Prends les, tiens, 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 prends les, prends les, prends les. Relais, relais. Vas-y, vas-y, dégage. Relais, relais. Prends les noobs, je prends le livre. Là, peu importe, j'ai posé le livre, j'ai posé le livre. Celui qui a l'aggro, l'autre pose. Prends l'aggro, noobs, prends l'aggro, noobs. J'ai tout, j'ai tout, j'ai tout, j'ai tout, non? Je le ramène, je le ramène. Il y en a... T'as vu combien ils sont là maintenant? Oh là. C'est bon, il est sur moi, il est sur moi, il est sur moi. Écartez, 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 écartez. Il y a un bouffon sur moi. Putain, tu fais chier, mais casse-toi par l'extérieur, casse-toi par l'extérieur. Je me casse, reste à côté de moi. Je vais dead, je vais dead, je vais dead, je vais dead. Vas-y, go, 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 go. Ok. Ah, je suis mort. Prenne des piles là, il faut qu'on commence à jouer avec les piles. Putain, s'il réa pas, on est mort. Barre-toi, il est là, barre-toi, il est là, barre-toi, il est là. T'inquiète, t'inquiète, il est pas là, il est pas là. Ok. Prends les temps, prends les temps. Merci frérot, merci, merci, merci. On a presque plus de medkit là. Il y a un livre à la mine. Qui a la clé de la mine? Qui a la putain de clé de la mine? Moi j'ai pas de clé de la mine, j'ai pas de clé de la mine. Putain. Casse les couilles. Non, il est mort, non, non. Là. C'est chaud là. Ok, là il s'est calmé. Pourquoi tu me dis? Comment ça, Chidos avait raison? Non, Chidos avait. Non, j'ai. Putain, il n'y a plus de medkit, c'est fini les gars, c'est fini. On s'est fait avoir. En fait, il faut juste aller à prendre les deux livres. Et quand on a les deux livres, on se retrouve tous les quatre à l'église, on les fait deux. Et on repart rechercher les deux trucs, tu vois. Là, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Wow, c'est archi mort. En fait, faut faire deux par deux tout le temps, sinon c'est mort. Faut les mettre deux par deux tout le temps en fait. La strat elle pue la merde là. Il faut pas aller les brûler chacun de ton tour. En fait, il y a deux trucs qui s'illuminent, tu trouves les deux. Comme, en fait, ce qu'il faut. Je sais ce qu'on va faire. Log, quand on a les clés, on ouvre les mallettes de toutes les maisons. Quand on est sûr que toutes les mallettes de toutes les maisons sont ouvertes, et ben on a juste à aller à deux, à l'endroit où il y a les deux cercles. Vraiment d'un coup, il y a vraiment d'un coup. Go, 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 go. Ah putain. Ouais, c'est dead frérot, je t'aime. Il faut le purifier. T'es nul, t'es à chier toi. Toi t'es vraiment à chier toi. T'es nul à chier. Faut aller deux par deux, deux par deux connard. Je t'entends pas. La 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 la
Nul, je meurs pas, moi je suis vivant, toi t'es mort. Nul, tu es nul, bête. Il va rager. Il y a un livre ou pas posé? Ah ouais, il y a un livre posé. Ah bah là, mec, ils vont être trop nombreux, je peux pas. À moins que je sois un génie de fou. Attends. Genre, je vais là. Oh putain, je suis mort. Ouais, j'aurai pas le temps. C'est la fin. On aura essayé, les gars. C'est la fin. T'es 8. Let's go. On a battu notre corps. GG à chef. Let's go, tu mets le kit, on y va. Oh fuck, merde. Bon mon frérot, c'est le dernier medkit. C'est le dernier. Ok, go. Oh putain. Ah mais il... Oh putain. Oh non, on allait être 3, on allait être 3. Non. On allait se réa à 3, on était bien, putain. Ah putain, on est presque. Franchement, on y est vraiment presque là, c'est ouf. Écoutez, let's get out of here. Non, bon les gars, il a disparu, excusez, à la fin. Bah en fait il m'a tué le grand shérif. En fait les gars, les gars ce qu'il faut faire c'est tout bête. Survivant, Proutland, voilà. Non mais Chito, 5 morts, voilà. Oh Chito, toi comment tu retournes voilà. Ta veste 5 kits de soins, 5 kits de soins Chitos, 4 kits de soins Kramel, Squeezie, 4 kits de soins et les trucs sont même pas ouverts. Moi c'est à 3 parce qu'il y en a. Est-ce qu'au lieu de s'engueuler et de mettre une mauvaise ambiance, apprenons de nos erreurs. Notre erreur est la suivante. Déjà on a commencé la game, il y a des mallettes qui étaient pas ouvertes. Donc déjà ça c'est une énorme connerie. C'est-à-dire quand tu mets le premier livre, toutes les mallettes de toutes les maisons doivent avoir été ouvertes. Bordel. Là c'était pas le cas. Là c'était pas le cas. Ensuite les gars, la chose à savoir, il y a deux trucs qui s'illuminent. Il y a deux trucs. Quelqu'un a pris les clés en fait. Quelqu'un a pris les clés des trucs mais l'a pas ouvert. Voilà, les gars. Les gars, attends. Mickey, appuyez sur K. Appuyez sur K. Non. Laissez-moi parler. Laisse-moi parler. Mais je le sais parce que je l'ai fait une par une. Laisse-moi parler. Mais ta strat, elle était nulle. Squeezie, si tu m'avais tous écouté depuis le début, on n'aurait même pas fait un troisième try. Moi, tout ce que je sais, c'était Chito s'il a ouvert les clés. Je balance, voilà. Ben oui, j'ai ouvert toutes les boîtes que j'ai ramassées. Les gars, écoutez la strat. Les gars, s'il vous plaît, écoutez-moi, on va y arriver. Les gars, c'est simple. Les medkits allumettes tout au milieu de la map, là c'était très bien, on a grave géré. Ensuite, le blème qu'on a eu, c'est qu'il y a des trucs, des mallettes qui étaient pas ouvertes, alors qu'il y a un con qui avait brûlé son premier putain de livre. Donc on s'est retrouvé baisé. Donc en fait. C'est moi le con. Eh ben t'es con. Voilà. Donc en fait. Voilà, merci. Ensuite, les livres. Laisse-moi parler, frérot. J'ai brûlé plus de livres que toi en deux games. Ferme-la, putain. Bon. T'as rien fait. Question pas possible. T'as rien fait, gros loup. De quoi tu me parles, toi? Je tanque les fantômes. On a un truc de complicité à l'église et tu me tires dessus. Espèce d'enflure. T'as zéro rage, putain de merde. On était deux à brûler des livres et tu me tires dessus. Le seul vrai frérot dans cette histoire, c'est Kamel. Le seul vrai mec qui joue bien, c'est Kamel, putain. Taisez-vous. Je vais jouer solo. Bon. Chitos, il avait 5 morts, je tiens à le rappeler. Mais oui, 5 morts. Moi, je vais m'en rappeler ce que t'as dit là, Kamel. Il brûle un livre alors que... Bref, les gars, écoutez-moi. Le vrai blème... Non, s'il te plaît, laisse-moi finir. Attends. Les piles, au bout de 20 secondes, elles se dégénèrent. Ok. Donc, il faut les garder pour la fin, les piles. Parce qu'à la fin, le but, notre strat, c'est d'ouvrir tout, de mettre tout en malédiction, ok, le plus possible. Et c'est pas grave si les fantômes se baladent avec, ils sont grave grillables. Faux, et on a juste à prendre le. Faux, objection, voilà la strat. T'es à chier. Laissez-moi parler, putain, Loki il est nul et tout. C'est lui qui parle le plus, c'est le mec le plus nul du groupe. Arrêtez maintenant. Ouais, Loki, je suis pas d'accord avec ce que tu dis. T'es nul. T'es pas d'accord. Laissez-moi expliquer la strat, les gars. S'il vous plaît. S'il vous plaît.
On ouvre toutes les mallettes avec les clés. Personne brûle un livre tant que toutes les mallettes n'ont pas été ouvertes. Ensuite, c'est pas compliqué. Putain de merde. Les trucs vont s'allumer deux par deux. On les trouve. Quand on les trouve, tu vas dans le lieu en question choper le livre de la mallette qui est déjà ouvert. Ça va marcher, ça. Ensuite, tu fais le livre et on se retrouve tous les quatre à l'église et on les brûle deux par deux à la chaîne. Non-stop. C'est tout. C'est tout. C'est pas compliqué. Donc, je récapitule. On fait deux binômes, on cherche les cercles allumés. Quand ils sont allumés, on chope le livre qui est dans la maison. On fait les deux livres, on se retrouve tous les quatre à l'église. Il y en a deux qui tankent les fantômes pendant qu'il y en a deux qui allument les livres. Et on fait ça 5 fois et c'est gagné. Fin. On y va. Allez. Allez hop, on se voit tout à l'heure dans le lobby, les gars. À tout à l'heure dans le lobby. Non mais arrête, arrête le pire. Tu prends pas mal, t'as fait une mauvaise game. Non mais attends, je vais dire. Le temps de maudire le truc, quand le gars sera le niveau 7, le temps de maudire le livre, on sera tous morts. Tous morts. Déjà les gars, je vais vous expliquer. Quand vous mourrez manche 3, manche 4, manche 5, vous êtes tous des nuls. Vraiment, je vous dis. Vous êtes tous des nuls. Oui, vous mourrez manche 5, on gaspille 10 kits de soins. 10 kits de soins, on est à peine à manche 5. Tu prends plus un putain de reste. Non mais c'est la vérité, t'es mort, mange un. Mais non ouais. Si, mort si les fantômes ils arrêtaient pas de te bouffer les fesses mec, t'es mort, nul. Mange un, je le dis. Tu vas passer ta game au sol. Frérot, je vais pas t'as 4 raids, les 4 raids c'était moi mon frère, l'oublie pas ça. Ah ouais, oublie pas que moi aussi je t'ai raid. Une fois. Les gars, je vous jure que c'est notre dernier try. Donc s'il vous plaît, on donne tout ce qu'on a. Les gars, s'il vous plaît. Allez, on rassemble avec ta strat, frérot. La strat, c'est fini, frérot, c'est fini. Moi, en quoi c'est fini? En quoi c'est fini? C'est impossible, mais c'est pas grave, vas-y, go là-dessus. Les gars, laissez-moi faire les clés, parce que j'ai le jeu en anglais, du coup, les bâtiments, je les connais direct. Mais attendez, écoutez, les gars, c'est ça. Moi, je refais mon truc avec de l'essence avec la clé de l'église, ok? Donc là, vous vous préparez les livres, vous n'allumez surtout aucun livre. Et avant d'allumer les livres, on fait un regroupement, on se regroupe et on fait la liste des tâches. Tu peux allumer les livres? Attends, qu'on soit d'accord. Est-ce que on sort le livre de la boîte et on le pose sur son hôtel? Non! Tu le touches pas de la boîte! Voilà. Tu le touches pas de la boîte! Rappelez-vous tous de cette phrase, exactement pour ça qu'on va perdre. Mais oui, parce qu'en fait les fantômes prennent les livres que quand ils sont allumés. Ils prennent que les livres allumés! J'en ai rien à foutre des fantômes! Mais oui, mais du coup on peut les mettre sur. Ils les prennent que quand ils sont allumés, connard! Donc t'ouvres les mallettes et tu les laisses dans les mallettes, trou du cul, putain! Ok, est-ce que Flash. Flash news, est-ce que tu sais que quand tu mets le livre sur l'autel, quand il est rouge, ça met un peu 10-20 secondes à ce que le livre soit prêt? Pendant 10-20 secondes, tu crois que le cowboy qui marche à 150 000% de vitesse va pas venir te soulever tes grands morts? Pas si mes potes gèrent l'agro du cowboy, trou du cul. Les gars, s'il vous plaît, arrêtez de crier, on est amis. Pas si Louis meurt, mange une. En fait, il faut ouvrir les livres. Mec, j'avais pas dit, vous tirer au début. Il faut les mettre sur les autels, mais pas les allumer. Non. Quand on arrive, bang, on allume, bang, on les ramène à l'église. Autant les laisser dans la valise. On sait que la valise est dans la même maison. La valise est dans la bonne pièce tout le temps. Mais oui, elle est dans la même maison tout le temps, la valise. Si vous voulez perdre 5 secondes, y'a pas de problème, moi ça va. Je suis d'accord, ils veulent pas perdre 5 secondes, Kamel. Ils veulent perdre 25 secondes. Et ils savent pas que 25 secondes, c'est un kit de soins, frérot. Mais ils sont bêtes. Ils sont bêtes. Ok, on fait un vote. Moi, je vote pour mettre les livres sur les pentagones. Attends, avant de voter, moi j'ai une question. Mais t'as retourné ta veste aussi, toi là. Si. Ok, ça. Ouais, mais moi je suis pas dans manche une, frérot, donc je peux. Oh le bâtard. Vas-y, on fait ce que vous voulez. Moi, j'ouvre les boîtes, c'est tout. Vas-y, on fait la strat de Squeezie. Je me suis pas pris un headshot à la première minute de la game, moi, mon frérot. Vas-y, lance. Vas-y. Y'en a, je vais les croiser au sol. Je vais saisir sur les hôtels, mais. Mais on les met pas en rouge, vas-y, ok. Ça coûte de rien en fait, donc. Ouais, t'as raison. Tant qu'on est sûr que les fantômes ils les ramassent pas quand c'est d'accord, pas allumé. N'oublie pas qu'on brûle pas le premier livre tant qu'on n'a pas ouvert. Allez, tu es bête, ciao. Welcome to. Mettez un pari et all-in sur le fait de vous perdre. Allez, les gars. Je vais faire l'essence, je m'occupe d'essence. Moi je fais les clés. Vas-y, moi je fais les medkits comme d'hab. Toi tu fais rien comme d'hab. Bah toi tu meurs, mange une, alors tais-toi. Ah non, t'es pas moi, Louis. Moi je meurs, mange une. Moi non, je suis mort pas, deux fois, gros noob. Mais toi t'as rien foutu moi, de la game, à part prendre des clés pour ouvrir des mallettes, t'as rien fait de la game. Frérot, tu regarderas la VOD dans ta VOD. Non, je vais cutter tout le passage où t'es utile. Ha ha ha.
Bon les gars, je pense que c'est la bonne. Je pense que là on s'est tous compris, je pense qu'on est raccord. C'est la bonne, c'est la bonne, c'est la bonne. C'est la bonne, c'est la bonne. On va y arriver. Faut juste qu'on se réunisse avant qu'il brûle le premier livre. En fait, s'il y a un mec qui va brûler le premier livre, ça nous baise la gueule. Genre littéralement, on est foutu quoi. Alors, je mets des allumettes et juste à mettre un truc d'allumette et un livre par pentax, c'est quand même pas compliqué quoi. C'est quand même pas compliqué. Oh putain, ça c'est lui qui va mourir. Il y a une clé là, je vais ouvrir maintenant la salle de stockage. J'ai eu la clé de la salle de stockage, je vais ouvrir le. Mais non, c'est moi qui prends les clés. Ah merde, attends, je vais l'ouvrir maintenant, j'y vais maintenant comme ça se fait, ok, j'y vais maintenant. Alors, où est-ce qu'elle est? C'est pas ça, c'est pas ça, ok, l'autre côté, parfait. C'est lui qui prend les clés, mais... Moi, je prends les 10 clés, après, je vais ouvrir les boîtes. De toute façon, j'y suis, regarde, j'y suis. Voilà, c'est ouvert, maintenant, m'engueulez plus. Bande de bâtards, il faut faire le stock de medkit, sinon on va rien faire. Hop là. Allez, pitié, pitié, pitié. Pitié, on y arrive, ça on va le foutre là où il y a le pentax. Je sais pas où il est pas là, il est pas là. Peut-être à l'étage. Allez, on va y arriver les gars, moi j'y crois de ouf. Medkit ici, ok, mais j'ai des allumettes donc j'aimerais bien les mettre. Voilà, hop, ici. Ensuite, je prends ça, tac, tac, hop, je vais le mettre en bas. Ici, il y a peut-être une pile ou un truc vu que c'est très grand. Il y a le truc de la de l'hôtel, ok. Ça sert à rien de fermer les portes. Ok, ici, il y a peut-être un medkit, ok, deuxième medkit et il y a l'essence. Vas-y, on va mettre les deux medkits en bas. Allez, c'est easy là, putain. Il y a une clé ici, Louis. Là où je suis, il y a une clé, frérot. Là, là. Louis, il y a une clé ici. Ramasse ça, on s'en fout, vas-y. Ok, attends. Je vais reprendre le truc et je vais ouvrir celle des écuries. Tac. Les gars, franchement, là, si Locke dit que je fous rien, je vais le démonter, je vous le dis. Putain, mec, je m'arrache le cul pour que cette game soit viable. Ici y'a rien. Rien, rien, rien. Lui il est relou. Ça en vrai on peut les mettre sur le. On peut les mettre sur le truc hein. Ça me bat les couilles. Ils les prennent pas tant qu'ils sont pas allumés. Les gars, déjà 7 trucs d'essence, voilà. 8 bientôt. GG, tu bosses bien, je ramène ça, les gars, on bosse bien là. C'est la bonne, je le sens. Ouais, je le sens. Je l'ai déjà fait, je crois, à cet endroit. Je sais plus. Il y a deux maisons qui se ressemblent de ouf. Ici et l'autre, ça se ressemble grave. Ouais, non, je l'ai pas fait. Il y a le livre, on est bon. Comme ça, on aura juste vraiment à faire allumette, clac, clac, clac. Livre, bim, bam. Et c'est... franchement, c'est la bonne, je le sens. Il faut que j'aille aux écuries, j'ai la clé des écuries. Let's go. Le medkit. Là, il y a un livre, super. Il faudra juste mettre une boîte d'allumettes. Non mais je pense que c'est la bonne les gars, j'ai un bon feeling là. Là il y a un travail d'équilibre, chacun fait ce qu'il a à faire. Personne fait chier. Ah ça, ça va être le premier livre à faire. Ok, il faut qu'il fasse le truc du magasin d'armes. Moi je vais faire les... Oh putain il est là. La sécurité c'est l'autre côté de la map, bon bah nickel. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on a 9 clés, on a 9 clés. Non, j'ai écurie moi. Mais pourquoi il y a des medkits là? C'est complètement con. Ah bah parfait en plus. Où il est le coffret? Le truc des écuries, il doit être par là, il est pas là. Mais il est où? Mais. Merde. Coffret des écuries, mais il n'y a pas de coffret dans les écuries, what the fuck? Ah si, il est là. Clac,
là, que je vais le foutre là, mais sans le poser, j'appuie sur G, voilà, nickel. C'est bon. Ensuite, il va falloir mettre des allumettes écurie et des allumettes ici aussi. Donc ici, il y a le livre, on va le foutre là. Hop. L'essence c'est bon. Ok, il faut des allumettes écurie et le truc juste à côté. On va essayer d'en trouver. Putain, on bosse bien là, bordel. On bosse bien. Moi, je pense que ça passe. C'est la game tryhard, les gars. Y'a pas des allumettes? Ok, y'a elle, mais faut les laisser. Pourquoi ils ouvrent les. Mais mets les livres dans les putains de trucs comme ça, c'est fait. 9, 2. 9, y'en a 9. S'il me faut deux trucs d'allumettes pour en mettre une écurie et une. On est d'accord, la strat c'est un livre plus une allumette sur chaque pentacle là, actuellement. Exactement. Ouais, ok, ok. Pendant qu'on est tous les deux, j'aimerais juste, pendant qu'on est tous les deux, dire que je suis désolé. Je crois que tu l'es aussi pour notre comportement. Attends, tu dis ça parce que t'es bloqué? Oui. Très bien. Est-ce que t'as trouvé des piles? Salut, Locke. Non. T'as trouvé des piles? Non. Aucune. Zéro. Putain, t'es nul. Ouais, il faut deux boîtes d'allumettes là qui manquent. Tu vois, en fait, dès qu'on a l'allumette et le livre sur un pentacle, c'est bon. On passe à la suite. Moi, je crois. Non, 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 écurie et à côté d'écurie, y'a pas d'allumettes. Je vais vérifier si Chitos il a bien fait son taf. Bah, chérie, check. Ah, regarde, allumettes, je vais les mettre écurie celle-là. Vas-y. Putain, c'est le. C'est le calme avant la tempête. Non, les livres dans les boîtes, ça sert à rien en fait. On a convenu qu'il faut les mettre sur le truc. Mais pas l'activer, tu vois, là je l'ai mis, mais je l'ai pas activé. Donc, comme ça, c'est activable quand on veut. Et donc là, ce qui est cool, c'est qu'ils sont à côté, les deux ils allumette sont. Allumettes ici, allumettes ici, Squeezie, allumettes. Où ça? Où ça? Là-dedans, en face. Ouais, mais c'est pour le pentacle, mec, c'est. Il m'a menti. Mais y'a pas d'allumette. Qu'est-ce qu'il raconte? Il a pété les plombs. Non, t'as le livre armurerie, frérot. Attends, parce que je t'explique, Quand on va poser ton livre, on va poser ton livre. Y'a trois livres à faire, ouais. Y'a trois livres à faire. On va tout poser en même temps, les gars, d'accord? Ouais, mais là, attends, stop, calme. Stop. Arrêtez, calmez-vous. On a chacun un livre. Si on fait pas ça, les gars, on va crever. Les gars, écoutez-moi, s'il vous plaît, quand vous faites un livre, vous ne pouvez plus prendre d'objets après ça. Donc là, par exemple, Louis, il sert à rien, alors qu'il y a des pentacles sur lesquels il manque des boîtes d'allumettes. Donc, bande de connards, vous mettez un livre et une boîte d'allumettes par zone. Allez, ta boîte ciao. D'allumettes et allume ton pentacle. Oui, mais j'ai aussi. Mais non, mets-en un par pentacle avant de le faire. Pourquoi t'es allé faire un livre maintenant? On s'en bat les couilles. Je t'ai déjà dit, les allumettes, elles despawn. Mais non, elles despawn pas, c'est faux, mec. Mais si elles despawn. Dans ta tête, elles despawn, mec. Elles despawn pas, les allumettes. Les gars, les allumettes, elles despawnent pas, on est d'accord. Mais non, elles despawnent pas, regarde, elles sont encore elles là. Elles respawnent au milieu, j'en ai vu plein en middle. Elles spawnent sur les caisses. C'est parce que c'est nous qu'on les ramène au middle. Mais non, tu les poses pas sur les caisses là. Ah non, c'est vrai, t'as raison. Les gars, prenez des allumettes, trouvez-en. Les allumettes, c'est le seul truc à trouver en fait. Mais ouais, mais c'est relou d'en trouver, c'est compliqué, mec. Bah ouais, je sais, mais elles respawn au fur et à mesure au middle en fait. Elles sont tout le temps en middle en général. Putain, il fait son livre, ça y est, on l'a perdu. Elle despawn pas, mec, c'est une légende qui dit elle despawn pas les allumettes. Il dit de la putain de fake news. Elle despawn pas les allumettes, c'est faux de ouf. C'est faux de ouf. C'est faux de ouf. Ah bah voilà. Tu vois, chacun prend son livre. Mais les gars, est-ce que. Ouais, non, ouais, on retrouve 4 allumettes. Mais les allumettes, elles ne despawnent pas. Donc en fait, tu nous niques la game avec ta strat. Elles despawnent pas. Elles despawnent pas. T'en as vu combien des spawns? T'en as vu combien des spawns? C'est pas qu'elles despawnent pas, c'est qu'elles spawnent que 4 par 4, tu vois, genre. Et en fait, quand on va brûler les livres, il y en a des nouvelles qui vont repop. Ah. Ah, je te présente mes excuses.
Donc là en fait on brûle les 4 livres, après on retrouve des allumettes vite fait, on refait les 4 pentagrammes. Il est où le dernier pentacle? Ah il est là, c'est bon. Ok ok. Bon, ok, les allumettes elles spawnent 4 par 4 elles spawnent les allumettes lock. Donc en fait on peut pas. Ouais. Ok, on a tous des livres là, on a tous des livres, c'est beau gosse, beau gosse, beau gosse les gars. Allez, ça c'est bien les gars, c'est très bien. Ça me plaît, ça me plaît. Excusez-moi Chitos. Oui. Désolé Chitos d'avoir douté toi et les allumettes. Je t'emmerde Chitos. Voilà, je suis d'accord, je suis d'accord. J'ai douté aussi, je l'admets, Et on peut pas mettre tous les livres d'un coup là. Prenez l'agro du noob. Regardez comment j'ai bien optimisé. Y'a pas. Ah si, il est là. Si, y'a un homme au-dessus, lève la tête. C'est Squeezie qui l'a. Oh, il a gratté ton crâne chauve, Lucas. Tu parles à qui? Tu parles à Kamel? Par la camel. Continue l'agro, continue l'agro. Barre-toi avec, barre-toi avec. Vas-y, attends, j'ai pas de livre, pousse-toi, je m'en occupe. Vas-y, bouge de là. Vas-y, je l'ai. Gros noob. C'est bon, j'ai brûlé les gars. Prends l'agro des fantômes, Kamel, en attendant que les autres finissent. C'est bon. Allez, bah écoute, allez. Mais mec. C'est sur qui? Il est là. Mais mets l'essence. Mais cover. Je cover, t'inquiète, je cover. Non. Je suis mort. Pourquoi je suis parti de l'autre côté? Je suis con. Ah, j'aurais dû m'enfuir, je suis trop bête. En même temps, il aurait niqué Louis. En vrai, non, je crois que j'ai bien fait. Je crois que sinon, il aurait baisé Louis. Putain, il est. Pourquoi il est là comme par hasard, cet enfoiré, putain? Bon, normalement on est bien, il faut juste pas qu'un fantôme le vole. Au pire, on le récupérera. Si on a un, c'est pas très grave. En fait, limite, le dernier, mieux vaut que ce soit un fantôme qui l'ait en fait. Il est déjà allumé, tu vois, on a juste à faire clic à le récup. Ok, c'est bon, ils l'ont fait. Excellent, les gars. Ok, alors quels sont les pentacles allumés? Hey, what's up? T'inquiète. Sinon, il allait t'empêcher de mettre le livre en fait, en vrai. Bien joué. Ok, trouvez les pentacles. Ouais, c'est bon, là, j'ai les pentacles. C'est pas ici. C'est quoi un livre de fées? Bah il a fait son livre, il l'a pas ramassé. Mais non. Mais si. Mais prends-le. Mais quelqu'un a rien compris, mais quel idiot. Mais c'est l'Oclear, c'est évident, c'est l'Oclear. Mais quel con, putain, c'est ouf. Fantôme. T'inquiète, vas-y, go terrasse. Vas-y, viens, on saute. Mais quel con, putain. Fais gaffe, dans le bâtiment bleu, y'a le monstre. Faut trouver le deuxième pentacle avant que tu l'actives. Là, il est là, je l'ai, c'est bon, je m'en occupe. Okay, vas-y, j'ai fait tanker les monstres, mais fais gaffe, y'a le gros qui arrive. Oh, c'est bon, il est parti. Ok, je fais le livre. Cover me, je fais le livre. Ouais. Okay. Y'a un fantôme, je vais mourir, y'a un fantôme, prends l'agro. Bouge, prends l'agro. Vas-y, attends, je le mets dans le coin là. Y'a le gros, faut se casser, mec, je me casse. J'ai un livre, faut que je fasse un livre. Aide-moi, faut que je fasse un livre. J'ai des allumettes avec moi. Aide-moi, j'ai juste à faire, il est déjà activé le truc avec les allumettes, viens. Putain, Louis il est mort, il s'est fait voler son livre, je crois. Non, mais faut pas que tu le brûles, hein. Non, je veux juste le faire, regarde. Lui il a pris le livre de Louis là. Oh, regarde, il est là le méchant, il est là, ce bâtard. Ah, ok. Vas-y, bombarde. C'est deux ou trois pentacles là qui vont être illuminés, tu penses? Louis il en a fait un, moi je vais en faire un et il en faut un troisième. T'as quoi, t'as un livre ou pas? Ouais, j'ai un livre, s'il te plaît, aide-moi, prends l'agro des putains de fantômes de merde. Vas-y, on y va. Non, il faut que je le fasse là. Ok, Louis, il y a un fantôme qui a pris ton livre du coup. Ouais, il est là. Là. Locke, tu penses qu'il y a. Attends, tu penses. Non, j'attends que Louis récupère le sien. Non? Il y a Kamel, il est parti chez une pipe. Ok, go, il en a 3, vas-y, faut aller brûler. Comment ça, il en a 3?
Comment ça t'as 3 livres, Locke, je comprends pas. J'ai fait 3 livres. Y'en a sûrement un déjà à brûler, vas-y. Mais les fantômes vont les voler, t'as pas compris la strat, idiot. Mais je m'en bats les couilles des fantômes, frérot. Il faut avancer. En attendant, t'as des noobs qui meurent et qui cassent vite et qui te soignent. Prends la grosse, je vais faire le livre, prends la grosse, s'il te plaît. Vas-y, j'ai l'air. Barre-toi, y'a l'autre connard, on est mort. Oh non. Ah. Oh, il saute aussi. Mec, il prend la gros combien de temps, mec? Il prend la gros combien de temps, putain? Allez, faut qu'il fasse des livres là pendant que je me fais traquer. Si pendant que j'occupe personne fait des livres, on est mort. Obviously, faites des putains de livres, bordel de merde. Voilà, ça c'est mon équipe. Allez les gars, on est à la moitié. Allez les gars, on est à la moitié du chemin. Allez, pitié. Pitié. Il y a des allumettes, ok. Il est trop bête. Locke, il a ruiné la game, gros. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a brûlé un livre là alors qu'on doit récupérer. Mais il fait que ça, il a rien compris. Après, en même temps, de toute façon, il y a de l'agro et tout, donc en fait, il a pas si tort, mec, en vrai de vrai. Non, mais le problème, c'est qu'il a mis en rage le méchant, tu vois. Donc là, en plus de devoir trouver des piles, on doit. De toute façon, on peut pas tous les brûler en même temps, frérot. C'est long, machin, faut y aller un par un en fait. Mais dans tous les cas, là, fallait qu'on fasse une pause pour récupérer les livres, pour trouver des piles, c'est trop rare. On est mort. Oh là là, là là, pas moi, s'il te plaît, père. Sale bâtard. Qu'est-ce que foutent les autres pendant ce temps? Brûler des livres, bordel! Brûler des livres! Je veux voir des livres brûler! Je veux voir des pages enflammées! Mais que faites-vous? C'est pas normal qu'on en ait un toutes les 3 minutes là qui brûle! On devrait en avoir un toutes les secondes! Locke, sa strat elle pue la merde, y'a trop de fantômes, donc en fait y'aura 1000 fantômes qui ont des livres et on sera baisé. Après c'est moi le plus dur en vrai, c'est normal qu'on galère. Lui il a un livre, voilà, faut qu'il aille à l'église, sauf que il peut pas aller à l'église solo parce qu'il y a des fantômes qui l'empêchent, faut être deux à l'église constamment. Vas-y, je vais à l'église. Là Locke il est parti à l'église avec un livre encore. Ouais mais je vais l'aider tout seul, il peut pas y arriver, tout seul il peut pas y arriver. Putain, je vais redead. C'est Romo, je rage quitte. Bon les gars, c'est loose, je sais pas pourquoi ils font. En fait Locke, je pense que c'est pas sa faute, il veut brûler des livres à l'église. Mais comme les deux autres ils ont pas compris que tout seul tu peux pas brûler des livres, parce que les mecs ils te hit et ça t'empêche de poser. Bah du coup la game elle évolue pas. La game elle est ruine. La game elle est ruine parce qu'il peut pas poser ses livres vu qu'il est solo. Faut que quelqu'un prenne l'aggro sinon il est mort. Exactement, j'ai besoin d'aide. Je sais. Mais je me fais chain kill par le gars et Kamel et Louis, je sais pas ce qu'ils foutent. En fait, j'explique. On peut pas parce que tout le monde est nul. Regarde, j'ai un livre. Si je pose, le mec il le prend. Tout le monde est nul. Je sais, mec, je sais. Et le problème, c'est que toi, tu t'occupes des livres, mais tout seul, tu peux pas le faire. Faut être deux. Donc, Kamel et Louis, je sais pas ce qu'ils foutent. Pourquoi tu crèves, frérot? Je peux rien faire. Il crève sûrement qu'on est fantômes. Avance. Non, ne me bloque pas, descend. Barre-toi, abandonne-moi, fais ta vie, t'inquiète. Et voilà, il a dit. Non, c'est trop tard, c'est ça qui vient dit. Kamel est coincé, ah mais c'est pour ça. Kamel est coincé apparemment, mec. Ah ouais? Ouais. Je crois qu'il est derrière moi, non? Il est hors map, Kamel.
Ouais, c'est mais pas... le monstre il est où? Arrête de bouger. Arrête de bouger, je te laisse. Eh hey les gars, mais je lui ai fait quoi lui? J'ai baisé sa mère ou quoi là? Non mais qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que j'ai baisé sa mère? Pourquoi? Pourquoi? Je peux jouer frérot? Putain de merde quoi! Non mais je peux jouer? Est-ce que je peux jouer quoi? Non mais c'est incroyable! Frérot! C'est terrible mec! C'est un sketch, mec! Vas-y, ramasse. C'est bon, vas-y, go. On peut pas te laisser maintenant. J'arrive, je vais le chercher. Mais Kamel, il est coincé de toute façon, les gars, donc on est baisé. Attends, il peut se recours. Vas-y, cours, on y va! Ruine! En fait, la gamme, on l'a fait à 3, c'est pour ça que c'était mort, les gars. Parce que Louis, il était occupé à Braise, et du coup, Locke. T'étais tout seul à l'église donc tu pouvais pas brûler de livres. C'est aussi simple que ça, non, les mais mecs. Les gars, on est mange 4 et genre, non, vous avez déjà gaspillé. Il a quand même 5ème livre en fait. Fallait pas. Mais on a pas. C'est pas qu'on a gaspillé, mais. Ça change rien, frérot, en fait. Mais si, parce que là, y'a plus de bandeaux maintenant et du coup, c'est impossible. Mais regarde, ça c'est mon livre. Ça c'est mon livre, je l'ai posé il y a 3 ans. Oui, c'est bien, là, c'est ce qu'on te reproche. Si c'est re, moi, je rage quitte, j'ai le TF4, je vous le dis direct. Mais en fait, c'est quick, c'est quick. C'est pas le problème. Ah, ça fait plaisir, mec. Ah, je suis heureux, putain, qui ferme son clapet, lui. Qui ferme son clapet, lui. Et là, Sam, on peut l'arrêter avec des UV à partir de la manche 6, en fait. Cours, il est là, cours. Faut pas utiliser les UV sur Sam, mec, faut pas utiliser sur lui, hein. T'es sûr? Bah je crois, hein, il y en a beaucoup dans les livres, au moins deux, là regarde, il y a un truc rouge là à gauche, dans le mur, tu vois, à gauche. Je verrai à Locke. Non, y a un fantôme. Gros noobs. Beau gosse. Bon, il faut trouver des piles. Ouais, faut des piles, pour les fantômes. Non, je vais mourir, non. Y'a tellement de fantômes, mon gars, waouh! Où elles sont les piles? Oh, ouais, si y'en avait un, c'est vrai. Oh putain, je vais mourir? Non, je peux mourir. Je me suis pris un truc, c'est bon, je m'en sors. Je suis bloqué? Non, c'est bon. Putain, y'a tellement de fantômes, bâtard. Allez, putain, il nous faut une pile. Il était à 10 mètres. Mais mec, il se téléporte. What? Mais frérot, c'est une dinguerie. Les gars. What? Pourquoi tu vas vers lui? Bah mec, je me suis retourné, j'ai fait un pas, je l'ai vu, donc j'ai tourné à gauche pour aller me cacher. Mais en fait, il revient. Il se téléporte là, c'est plus il va vite là, c'est. C'est incroyable. Il a vraiment fait pouf. Les gars, j'ai mis un livre dans l'église, mais bah, j'ai besoin de vous pour tanker. Ouais, mais il nous en reste deux là. Là, il faut qu'on fasse les trois derniers, mec. C'est compliqué, les gars, hein, putain. On fasse les trois derniers, frérot. J'essaie de bloquer. Courez, il y a encore, mec. Oh, c'est bon, gars. Il arrive, courez, il arrive. C'est fini, frérot, y'a plus de medkit, c'est fini. 4 par 4, on est obligé, les gars. C'est fini, y'a plus de medkit, les gars, c'est dead, c'est fini. Je vous aime. Y'avait un fantôme qui avait un livre, là. Y'a peut-être un medkit qui a spawn ici. Non, on est mort. C'est fini.
fini. Aïe aïe aïe, je me fais graille par un fantôme qui ne m'aime point. Je vais mourir. Comme ça, ça débloque deux autres et après on peut. Je vais mourir. Il est où le monstre? Il n'y a ni medkit ni pile. Je suis voué à décéder. Et c'est bien dommage. Je pensais que nous pourrions nous en sortir avec la strat, mais ça n'a pas suffi. Oh, y'a un medkit. Je me fais grailler par de nombreux fantômes. Je pense que je vais mourir. Viens vers moi, viens vers moi, viens vers moi, viens vers moi, le mec à terre. Bête. Voilà, vers là, vers là, vers là, vers là. Allez. Hôtel, hôtel à l'étage, viens, quitte. Je sais, je vais mourir, cours, 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 cours. Non. It's a new. Vol, petit papillon. C'est à toi de jouer maintenant, mon petit oiseau. Il y avait un kit là aussi, je crois. Les gars, le mode cauchemar, il est dur à m'emmener. Le problème, c'est qu'on était trois parce que Kamel, il a bugué aussi. On n'a pas eu de chance. Et t'es carré votre stream des personnes à respecter. Non, c'est pas ça, les gars. C'est que Kamel, il s'est retrouvé bloqué. Donc, du coup, Locke, il allait à l'église pour brûler des livres, mais il se faisait pique par des fantômes, donc il pouvait pas. Donc, il attendait que quelqu'un vienne prendre l'aggro. Donc, il fallait qu'un mec vienne aider Locke à l'église. Et pendant que l'autre se faisait spawn kill et réa par l'autre gars qui restait en ville, tu vois. Faut que ça fonctionne comme ça. Mais comme Kamel il s'est fait stock, bah Locke était seul à l'église et donc du coup il pouvait pas brûler les livres. Voilà. N'est-ce pas Locke? Pourquoi ils sont déconnectés? Je sais pas. Vas-y go Discord, hein, on est dead. Hein. C'est fini. Bon bah les boys. Ouais, ah bah c'est voilà. Injuste là, c'est injuste ce try, si Kamel est bloqué. Ouais, Kamel bloqué, donc en fait du coup Locke il allait à l'église. Et comme il était seul à l'église, il pouvait pas poser les livres parce que les fantômes l'en empêchaient. Bah ouais. Et moi Louis il venait me réa parce que je me faisais focus en boucle par le mec, j'avais l'aggro du mec. Et donc normalement Kamel s'il était pas stuck, il aurait pu aller à l'église tout le temps avec Locke pour faire tous les livres en fait. L'un prenait en fait, l'aggro. Le problème c'est juste qu'ils ont, ils ont les livres les fantômes et puis on a pas de pile en fait, c'est ça le vrai ouais. Problème. Il y a un mec il a dit un truc giga, giga bien. En fait au début on en pose un, ok. Et comme ça, on en libère un autre et on en pose 4 après, ça fait qu'on monte à 5 instant. Je sais pas si ça marche comme ça. Je sais pas si c'est un livre active un livre ou si c'est plus. Si, la différence elle est ridicule quoi, c'est juste qu'il y aura 3 fantômes en moins sur la map. En vrai, ça change rien. Bah oui, mais du coup, ça nous permet de d'avoir plus d'air parce que les gars, on arrive manche 5, il y a déjà 6 kits de soins qui sont partis. En fait, non, le problème c'est que manche 5, il y avait 2 fantômes qui avaient des livres et qu'il fallait récupérer et que t'as mis un livre et que tu nous as mis le mob en enrage encore genre. Du coup, on devait gérer le mob et en plus, je devais rester Kamel et en plus, fallait genre. C'est impossible. Ouais, mais les gars, vous mourrez contre des fantômes, je peux pas. Les gars, le but c'est d'avoir monté manche 6 et d'avoir encore 10 kits de soins. Parce que manche 6, là, les kits de soins ils servent que à stall. On gagne juste du temps. Quand tu restes un pote, il y a un autre mec qui va crever. C'est sûr. Le mec, s'il speedrun à 300%, on peut rien faire. Genre, et à partir de manche 6, il y a un mec, deux mecs qui font les bouquins. Deux mecs qui meurent. Et après, ils se font raise. Deux mecs qui meurent. Deux mecs qui font les bouquins. Et c'est comme ça qu'on joue. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, avant de mettre le cinquième, fallait attendre qu'on soit tous prêts en fait. Faut les mettre 4 par 4 les livres. Là, t'as mis le cinquième. Vous étiez jamais prêts, les gars. Vous étiez en train de mourir en boucle. Mais n'importe quoi. On essayait de trouver des piles pour récupérer les livres que les fantômes avaient volés. Ouais, dites-vous, moi, j'ai trouvé une pile. J'ai tué le fantôme. Mais il y avait un fantôme en superposé. Il a volé le livre. Après, j'ai vu Cheetos. Je suis tombé dans un trou. C'était la pire game possible. Genre. Ah, mais après, si t'étais bloqué, ce trahi compte pas. En fait, mec, quoi. Si t'as pas la patience de dire qu'il faut qu'on trouve des piles pour récupérer les livres, on est mort. Frérot, je vais regarder la VOD juste pour te briser ton ego, frérot, et vous êtes mort au moins 4 fois. Frérot, je trouve que c'est facile. C'est facile pour toi de parler quand t'as pas été la cible du mec 5 vides. Mange combien? Il joue solo. À partir du 4ème livre, je dirais.
Ou ça part en couille. Mec, j'étais plein de fois focus, je brain. En fait, lui, il prend ses livres, il va à l'église, il râle parce que personne n'a aidé. Normal, Kamel, il était stock, il pouvait pas venir l'aider. Et nous, on se fait aggro par le man. Le Mac, quand il te traque, tu es mort. C'est-à-dire, quand il te traque, tu es mort. Non, non, mais non, tu es mort. Tu es mort. Kamel, mange 4, je mets. Mange 4, mange 3, mange 4, je mets à l'amende. J'ai mis à l'amende deux fois avant de mec, prendre. Mec, là, fallait mettre une pause. Kamel et moi, on cherchait des piles pour récupérer des livres. Ça servait à rien de mettre des livres et de rajouter de la difficulté. Non, sur Discord, on va gagner du temps. On va sur Discord, on va gagner du temps. Il a raison, on avait deux livres ou un livre sur un fantôme. Donc, si on brûle encore un livre, ça va nous rajouter de la difficulté pour brûler le fantôme. Mais ouais. C'est pas dur en fait. Oui. Là, fallait juste trouver des piles et pas brûler de livres. Là, t'as juste fait catatête, Locke, et tu nous as baisé. Non, je vous ai vu mourir, gaspiller des kits de soins. Du coup, je suis vas-y, personne n'est mort à ce moment-là, moi, mec. Personne n'est mort à ce moment-là. Moi et Kamel, on cherchait les piles et t'as pris un livre. Kamel, Louis, Kamel, Chitos, c'est notre faute. Et sans nous, Locke aurait réussi. Voilà, c'est notre faute. Ouais, je pense que c'est vrai. C'est notre faute. Donc, les gars, remettez-vous en question. Kamel était bloqué, les gars. Je pense que Locke, lance une solo en cauchemar, il gagne. Moi j'avais zéro mort, c'est tout ce que j'ai à dire après le reste. Zéro mort. Moi on pose un bouquin en premier, comme ça le boss il est niveau 1, ok? Et comme ça on va en récupérer 4, on le fait monter niveau 5 d'entrée. Moi les amis, je vais poser un bouquin dans mon lit, frérot. Je vais lire quelques pages. Voilà le tryhard. Elden Ring il reste qu'à 4h du mat, mais là par contre pour dévorer. Ah franchement mec, pour brûler des livres et entendre idiot bête. Ok. Non, en vrai de vrai, je pense que si Kamel avait pas eu son bug, on était grave bien dans ce game, honnêtement. Jour, bien, autre jour. Mais du coup, c'est ce que je vous dis, en fait, il y a même pas à blâmer qui que ce soit, c'est-à-dire que pendant qu'on temporisait le mec avec Louis, bah Locke t'étais seul à l'église et tu pouvais pas brûler de livres parce que les fantômes ils te niquaient. Donc en fait, fin du débat, il y a pas de, tu vois. C'est moi, juste je blâme ça. Les piles. C'est juste ça qui nous a baisé en fait. Tu vois, Louis, il faisait que de me reste et de chercher des piles. Et c'était la strat à avoir. Les piles, elles spawnent quand tu poses des livres et que tu les crames. J'ai un doute. Moi, je pense que les piles spawnent quand tu les utilises. Les piles, elles spawnent quand tu crames des livres. Quand tu crames des livres, il se passe des choses. Quand tu fais rien, il y a rien. Et les piles, soit il y en avait, soit il n'y en avait pas. Et il n'y en avait pas. Voilà. Si, si, parce que. Longtemps. Si, très mort en boucle. Si, dès le début, il y avait une pile. En fait, mec. C'est pas bien ce que je dis. Il y en a une ou deux, je pense, au début. Quand t'es revenu, t'as dit que t'avais une pile sur toi. Mais c'était venu nous demander, en fait. T'aurais pu utiliser ta pile que t'avais déjà sur toi pour cramer un livre, tu vois. Donc c'est pas bon ce que tu dis. T'avais une pile sur toi et t'étais à l'église. Bah tu servais à rien avec ta pile. Ah, no joke, j'ai bug. J'avais pas de pile. No j'ai joke. Trouvé une pile après. Mais c'est à quand la t'es revenu après. Ah, ok. No joke, sur mon bug, on le passe. Mais Locklear, il veut nous énerver à dire qu'on est mort. Ah ouais, je te jure. Alors que personne. Mais oui, Locklear, le mode cauchemar. Je peux appeler VOD, les gars, vous êtes mort 3 fois. Il y a 3 kits de soins qui partent. Arrête d'accuser. Arrête de croire que t'es le maître du monde, gros noob. Tu es bête, c'est bon, le bête. Tu es noob. Il y a un autre pilote. C'est bon, arrête un peu. Mais mec, quand le boss il est en enrage, il tue un gars. Sinon, il sort pas de l'enrage en fait. Non, on a pas dû pour le calmer. Pas mange 4. Mais si, peu importe. En fait, tant qu'il mange pas quelqu'un, il reste en enrage. Non, il se calme. Mais non, tu es bête. Tu montes en haut du écoute salon, ce qu'on dit avec Kamel et Louis, arrête d'en faire catatète, arrête de croire que t'es un génie. On dirait que c'est fatalité, j'aime pas la fatalité, les gars. Nul. La fatalité, elle est partir de manche 5, là effectivement. Y'a pas de fatalité quand il te suit, t'as 3 chances sur 4 de mourir à partir de la manche 4, c'est comme ça. Et, pourquoi et normalement, pourquoi c'est pas grave, tu meurs, tu te fais réa, c'est pas grave, y'a un roulement d'aggro. Il me focus, il me focus. Mais t'as jamais focus, il va jamais à l'église, arrête. Tu montes au but du salon et après tu sautes, je vous l'avais dit. Et bon qu'à brûler des bouquins. Voilà, c'est tout ce que tu sais faire, brûler des livres. Pendant que tes soldats ils sont derrière. C'est bizarre, je vais le one shot. Oh bah vas-y, je regarderai ton live. Moi, Kamel et Louis, je vous ai trouvé brillants ce soir. Vous avez été incroyables dans le jeu. Merci beaucoup de m'avoir accompagné. J'ai trouvé que vous étiez de super alliés. Je suis sûr qu'avec une autre quatrième personne, on aurait fait des miracles ce soir ensemble. Je suis navré, c'est ma faute. J'étais beaucoup trop arrogant et beaucoup trop bon pour vous. Je pense que Twitter est un bon joueur, mais il abuse et il ment beaucoup. Il n'y a pas eu 4 morts avant le quatrième. Je vais regarder la vidéo. Aucun mort avant 4 livres. Vraiment, je regardais la V2. Moi, je suis pas mort de la game. Mec, on a fait les 4 livres ensemble, il y avait aucun mort avant ça. Donc ça va être humiliant, ça va être bon, les gars. Merci, moi j'aurais kiffé continuer pour de vrai, mais. Quelle bande de mythos. Je suis épuisé. Je suis fatigué de fou, donc je vais aller me coucher. Merci Kamel d'avoir joined, c'était grave drôle les games. Désolé Kamel, tu tombes un soir où on tente en mode cauchemar et c'est hardcore, hein. Franchement. Non, mais j'ai jamais vu, mais au final, j'ai aimé. Dites-vous, en difficile, on a tous des piles dès le début. En fait, et notre lampe, elle se recharge avec le temps. Non, en difficile, je pense qu'on le gère le truc, mais là, j'avoue que c'était... En difficile, mec, ta lampe à UV, elle se recharge toute seule.
Les bah gars. Ouais, donc c'est trop facile en fait. Parce que dis-toi que tous les fantômes, tu les crames, ils disparaissent en fait. Ouais, bah c'est ça. Ah, le boss cauchemar, il est horrible. Le boss cauchemar, il est horrible. Le boss, tu peux le stun avec les UV. Ouais. À un moment. Si, la difficulté là, c'est les piles, hein, vraiment. Il n'y a pas assez de piles. Bref, merci les gars. Moi, je vous laisse. Merci beaucoup, les mecs. Merci. Vas-y, bisous, bisous les gars. Continuez, trouvez un quatrième si vous voulez retraire. Mais moi, je suis out, je vais dormir. 1h11. Ah, il est tard, Kamel. Tu as vu, tu vas dormir toi aussi. Oh là 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 là. Un bon bouquin dans le lit. Allez, on y va. Allez, bisous les mecs, bonne soirée les gars. Bisous, ciao bisous, les gars, ciao, bisous. Ah, chat, désolé, je suis épuisé là, j'ai une grosse semaine, j'ai eu plein de trucs, je suis fatigué de fou là. Hier j'étais en studio, je suis rentré à 5h40 et tout, c'est pas possible, je suis fatigué, j'ai besoin de dormir, faut que je dorme, je suis KO. Après, le mode cauchemar, je pense que sans le bug de Kamel, je vous jure, je pense qu'on faisait, je sais pas si on gagnait, mais je pense qu'on faisait 8 ou 9. Je pense qu'on faisait peut-être 9, la fois d'avant on a fait 8, là je pense qu'on faisait 9, tu vois. Donc la fois d'après, il y avait moyen qu'on fasse 10. Mais bon, c'est le mode le plus challengeant du jeu. Il est dur et tout, et c'est un plaisir, c'est très cool. Et on rigole hein, quand on dit « Log, t'es chiant », il dit qu'on est chiant. C'est notre manière de nous donner de l'affection et de l'amour. Vous en faites pas, il y a zéro blème. Mais c'est normal, c'est des jeux où t'as l'impression que chacun individuellement joue trop bien et que c'est les autres et tout. Mais non, c'est juste que là, on a identifié tous les problèmes, on avait toutes les solutions. Juste voilà, on a joué à 3 pendant la game, donc c'est mort. Faut être 4 en cauchemar, sinon c'est impossible. C'est impossible. Bref. Je vais tranquillement manger, j'ai pas mangé, c'est pour ça aussi je vais manger, je vais me faire mon petit burger là et je vais me coucher. Merci à vous d'avoir suivi le live, c'était très cool et j'ai beaucoup aimé ce début de live aussi, on parlait de plein de trucs, de l'époque, de... Bon là c'était axé sur le passé, les setups à l'époque, les trucs et tout, suite à la reconduction du personnage Logitech, on a dérivé là-dessus. Mais ça m'a donné envie de faire des jeudis aussi, peut-être talk, tu vois, en mode podcast, juste on aborde des trucs d'actu, on en parle, machin, ça peut être cool. En mode méga homemade comme ça, même pas tous ensemble, juste à distance comme ça, je trouve ça cool. Peut-être que je ferai des trucs comme ça à l'avenir, je sais pas, je trouve ça marrant. D'avoir, surtout avec un lock et tout, c'est intéressant quand même, on a des avis, on est d'accord sur plein de choses, mais on n'est pas d'accord sur certains trucs, ça peut être intéressant. Puis j'aime bien le mood que c'est, voilà. Bref, merci pour ta chaîne replay sur YouTube, pas de soucis, je suis content que ça concerne une minorité de gens, mais au moins ils ont tout le contenu gratos en entier, c'est cool. Et c'est très cool. Bref, merci d'avoir suivi le live, passez un très bon vendredi, prochaine vidéo samedi, serait d'horreur, et celle d'après vendredi de la semaine d'après, on fait un clip avec 56€ à Dafalgan. Hâte que vous voyez ça. Passez tous une très bonne nuit. Ah, merci d'avoir regardé. Ah, je suis KO. Vous étiez nombreux ce soir. Merci beaucoup d'être si nombreux. C'était cool. Allez, bisous. Je suis exterminé, les amis. Je vais vraiment me reposer. Elden Ring. Oula, non. Ah, putain, maintenant j'ai envie de le lancer. Non, je vais dormir. J'ai rien vu. J'ai pas vu ce message. Bonne nuit, tout le monde.